Enfin, c'est vraiment juste. Et où VOD ? On est à... On est retour. Pour aller vers Guarma. Qui c'est qui est censé y aller ? Je crois qu'il manque le petit Prosper. J'arrive tout de suite. Madame Duval ? Oui, j'arrive tout de suite. Je vais aller voir si Prosper est dans le coin. Oui, c'est justement, c'est... Hop. Vous le voyez ? Bah Prosper, vous êtes où ? Prosper, on va partir. Écoutez, ah bah il est bien. Est-ce que monsieur peut monter avec vous ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je monte avec vous. Venez, venez, pas de soucis, je vous cherche. Parce qu'en fait, je viens visite dès que je suis sur le parti. Personne n'y ouais, c'est ça. Eh bah vous qui aimez la mer, vous allez être servi, hein. Elle aime bien la mer. Allez, on essaie d'aller là. Allez, c'est parti. Je suis pas bien rassuré. Pourquoi tant que ça ? Eh bah c'est parti. C'est vrai ? Bon. Bah ouais. Eh bah c'est parti. Ok de Blackwater. Mais c'est payé. Ah, ok de Blackwater. Oui. Ah d'accord. Là il y va aussi. Hein ? C'est Pennyworth. Ah, on va faire du bateau ? C'est incroyable. Ah, il nous offre... je crois bien qu'il nous offre le voyage, le monsieur. Oh bah c'est bien gentil ça. Ils sont partis armadillo avec du bois et Pearl. Voilà, je préfère laisser un petit peu des cas. Plus tard. Oh. Bonsoir. Ah oui, toi t'es... Bonsoir. Fatigué. Ah, bonsoir. Ah bon. Ouais, mais on est dans la ville, on va pas galoper quand même. On est pas des bêtes. Bon, je galope un peu. Un tout petit peu. Oh, allez-y. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de shérif, j'en ai pas vu depuis longtemps. J'en ai vu un tout à l'heure, et il m'a demandé si j'avais vu ses collègues. Donc bon, c'est que... et qu'il y avait pas beaucoup d'organisation. Non, apparemment pas. Moi j'y suis allé à... Oui. J'y suis à l'aventure aussi. Hop. Et voilà. Ouais, visite de clients. Hey. D'accord. Attends, par contre. Il paraît que Monsieur Pennyworth, c'est le roi de la mer. Il a jamais coulé. Le roi de la marée. Waouh. Bah oui. Du coup, je comprends qu'il va devenir maire en fait. Ouais, hein. Voilà. Tout le monde a couru, j'ai voulu faire pareil, mais en fait, j'ai mal au pied. Non. Il doit être sur son bateau. Ah, ah oui. Votre bateau, Monsieur Pennyworth, deux secondes. Ah. Il se passe des trucs. Il y a des ricochets. Ah, d'accord. Ah, ben il est là. Oui. Vous voyez ? Ah vous, oui on vous voit. Ah, vous, on vous voit. Mais pas le bateau. Si vous voyez pas le bateau, va falloir faire une petite sieste malheureusement. Ah ok. Ah. À la petite sieste. On revient. Allez, c'est parti. A tout de suite. C'est parti pour la sieste. Tac. Tac. J'ai quitté, mais je sais qu'on peut reload, mais c'est un peu long. Enfin, c'est pas très long, en fait. Mais dans le doute, moi, je quitte. Comme ça, au moins, je fais un vrai reload. Hop là ! J'espère que vous allez bien sur le live. On est parti pour aller à Guarma, ça va être cool. J'ai le temps que je vais aller. Charlie, ouais, je mets pas la cam aujourd'hui. Je mets pas la cam, j'avais vraiment pas... pas l'envie. Oh, c'est long ? C'est pas long comme ça d'habitude. Allez, pourquoi c'est long ? Le chargement des bandes d'ordinateur, tu parles. Allez. Elle est contente, la petite Dédé. Et voilà. Je suis là.
Alors madame Duval, est-ce que vous voyez le bateau? Non. Ah, mince, je vois une barque au loin. Il y a toujours pas. Ah, en fait, j'ai une bonne config, regardez, je suis la première. J'ai l'impression que ça n'a pas trop résolu notre problème. Oui, non, je ne vois toujours pas de bateau. En fait, il a jamais eu de bateau, c'est ça. Vous mentez, monsieur Pennyworth, vous n'avez pas de bateau? Vous savez, les barques, ouais, c'est pas pareil. Bateau, Je vais le ranger, j'essaie de le ressortir. Attends, c'était un peu étrange qu'on le voit pas tous, quoi. Oui, je me disais aussi. Bon bah... Ah mais c'est le mien qui est bloqué maintenant. Bon bah je refais une sieste, j'arrive. Bonne voilà, sieste, monsieur Pennyworth. Moi je pense qu'il a jamais eu de bateau. C'est le roi de la mer, pas de bateau. Il parlait avec les poissons, il se fait raccompagner par les dauphins. Ah. J'ai vu son bateau plus d'une fois. Ah bon, d'accord. Sinon on va le faire à la barque, hein. Je vais chercher une débarque là. Oui. Et c'est parti. Il y a des barques, ça je les vois. Ah, vous savez, Ray, il rame très fort. Hein. C'est vrai. Ah, c'est le rameur le plus fort de l'Ouest. Autant, ah, oui. Autant en vrai que dans le coup. Ah, j'ai gagné 10 dollars, hein, salut. Et je me disais qu'il y avait un petit... Tu rigoles beaucoup trop à cette blague, ma chérie. Beaucoup trop. Ah, elle est bien la bonne, j'aime bien. Oh bordel. Pour l'instant, c'est monsieur. C'est monsieur Kiram. Lequel? Monsieur du bateau. J'ai oublié son nom. Monsieur Pennyworth. Ulysse, oui. Oui, on m'en avait parlé, mais j'avais jamais vu avant aujourd'hui. Ah, bah c'est le futur maire de Blackwater. Hein. Ouais. Non, ah bah, ce sera prospère. Tournez Kazakh. Je pensais que vous me souteniez, Madame Daphné. Moi, ah oui, c'est vrai que vous êtes jamais entendu parler de vous comme mère. Hein, Pardon. Ouais. Quelle mauvaise foi. Vous devez vous faire redresser par Cryo-Tractri. C'est peut-être parce que je tiens mal sur mes pieds, je vais aller voir un pédophile, je pense. Un podologue, dites pas n'importe quoi. Bah non, vous avez expliqué que c'était un pédophile. Ah oui, c'est vrai, j'ai encore mal compris. Oui, podologue, c'est avec des enfants. J'ai pas de mémoire. Ah oui. Il s'est passé beaucoup de choses ce soir-là. Deux secondes, on sait si on y va à cheval ou en bateau. Attention. Ou en planche. On flotte tous. Allez, on y va en cheval. Ah mince. Dommage, c'était une... Ah, on m'avait vendu le marin de l'Ouest, je suis un peu déçu. Oui. Sinon, il y a des grands. On aurait pu faire des pirates de l'Ouest. C'est dommage parce que je le voyais vraiment, mais... Bah ouais. Bah on aurait peut-être... Les bijoux qui est détaché invisible, non? Moi, je suis un grand spécialiste de l'invisibilité. Hein. Oula, je pensais que c'était Bijou en face, mais pas du tout. Elle est là. Vous avez des super pouvoirs, monsieur Prosper? Bah oui, je me suis transformé en. Doudou, Bijou, doudou. Ah, voilà. Ça va. Oh, bah, je vous réaccompagne, en termes de bise. Bien sûr, montez donc. Et hop. Bijou est peut-être délicate, mais elle est forte. Bah oui, elle est bien gentille. Et ben, direction la quête. C'est parti. Et bah, c'est parti. Allons-y. Et oui, Ray, il a pas de main parce que je pense que le skin de ses gants n'a pas chargé. Mais pour moi, il a pas chargé alors que je suis sûr que lui, il voit ses mains. Ah, c'est marrant, je voulais le faire sans les mains, mais ça me tend, c'est tout. Ah oui, oh tiens. Allez, hop. Ah oui, d'accord. Ah c'est... Oh bah c'est... Ça doit être aussi un nouveau sport, hein. C'est une ville de sportifs, je pense. Oui, c'est ça. Et du gainage, du saut... Moi, bon, ça, je sais pas faire, mais... Mais c'est peut-être... Monsieur Gurney, il est pas là, tiens. Monsieur Gurney, c'est qui ça? Ah oui, non, c'était... Bah, c'est le... Bah, alors, je sais pas exactement la relation qu'il a avec Madame Pearl. Ah oui. Ça peut... Je pensais qu'il venait avec vous, en fait, Madame Pearl et Monsieur Gurney. J'en avais proposé, mais je crois que la Pearl était pas... avait un petit peu peur. Ah d'accord. Ou en tout cas, elle préférait s'abstenir. Mais effectivement, je me suis dit que peut-être la curiosité la pousserait. Mais bon, bah, oui. Elle est pas encore journaliste, elle a pas encore ce petit côté téméraire aventurier. Des journalistes. Oui, alors que nous, l'aventure, c'est notre deuxième... Deuxième maison. Prénom, maison. Oula. Oula. Ah bah, on commence tout de suite l'aventure. Oula.
Va alors, bijou. En plus, je connais pas le chemin. C'est amphibie, votre canasson. C'est bizarre, les autres sont poissés et puis nous, on est pas poissés. Oui. On va y aller doucement. Ah, je pense oh. Que c'est... Ah, d'accord, oui. Bah non, ok, c'est par où, ok. Oh, oh lolo. Bon, allez-y par là, on verra bien. Par où? Y'a un caillou. Peut-être par là, à gauche, ouais. J'ai pas vu. Ah, ici? Ah non, mais... Oula. Non, mais non, mais c'est pas possible. Ça, c'est un arbre. Mais où est le chemin? Oula. Ah, il est là-bas. Ah, j'espère qu'ils vont nous attendre. Ah bah autrement, c'est sa nuit, hein. Elle nage bien, le chef. Ah, votre vieux. Allez, 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 bijou. Ah, y'a de la taille. Oh. Ils sont allés par là? J'ai l'impression qu'ils étaient passés par un autre endroit. Oui, je pense que c'est tout droit et puis à droite, à mon avis. Je vais vous faire confiance parce que moi, j'ai aucune idée. Moi, ici, de toute façon, ça va tourner fort. Hein. Ah oui, c'est tout de suite à droite, d'accord. C'est ça. Oh là là, bijou qui nous a fait un truc chelou. Ah. On est là. Ah oui, j'avais pas vu par où vous étiez passé. Ah, on a failli se noyer. Bah bijou, elle est pas aussi grande que votre cheval, alors elle a eu du mal. Ah pardon. Bah, c'est moi, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il est où Ulysse? Y'a pas de mal. Et du coup, il est où Ulysse? Salope de bras cassés. C'est compliqué. Sinon, on se donne rendez-vous. C'est quel... C'est où qu'il faut qu'on aille? C'est sur les quais de Saint-Denis, je pense. Quais de Saint-Denis. Autrement, je vais regarder la carte. Je ferai le Global Prosper System. Oui, le Global Trotter. Comme ça, on se perd pas. Au pire, on se rejoint à Saint-Denis, c'est pas grave. Hein. Oui, oui, on est déjà. Allez, on bourre. Allez, on bourre. On bourre. C'est juste, on avait peur que vous soyez tombés. Vous aviez peur de quoi, rappelez? Il y avait quand même un seul sapin. Ah, je suis désolé. Oh, t'es le pire guide que la Terre ait connu. Mais non. Non, mais c'était. Vous inquiétez pas, nous on n'est pas tombés. Si vous voulez faire de la pub, parlez pas de ça, s'il vous plaît. Hein. Il y avait pas assez de sapin, de toute façon. Désolé. Oh, bon, c'est pour vous. J'espère que vous allez bien tous les deux. Oui, ça va. Ça va. Non, mais on va arriver à Saint-Denis en vie, j'y crois. J'y crois trop. Ah, si on arrive tous les cinq aussi, ce sera. C'est normal avec des gens qui. Voilà. Ah, bah, dis qu'on est à l'endroit. Comme ça, avec des gens. C'est de la faute des autres. Je sais pas si on va survivre, madame Denise. Ouais. Oh, j'ai mon Global Prosper System. Prosper System. On va dire GPS, c'est plus rapide, non? Ce sera plus rapide. Oui, oh, c'est plus rapide, hein. Personne n'y a pensé en plus, ça tombe bien. Bah oui. Je devrais essayer de déposer l'idée. Oui. Après, bon, ça veut dire qu'il faut faudra que chacun ait son Prosper. Oui, bah en attendant, il y en a déjà un, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un Prosper, les gens, moi. Les gens, je pourrais dire à tout le monde. Ils me payent et puis je viens avec sur leur cheval et je fais à gauche, à droite, oui. Dans 200 mètres, faites demi-tour. Ah ce oui, serait oui. Une idée. Oh bah, tout à fait, tout à fait. Et puis il faudrait dire qu'il y a des endroits intéressants, bien pas loin. C'est ça. On pourrait appeler ça des points d'intérêt. Ah oui. Ce serait pas mal. Oui, parce que c'est intéressant. Bon, alors, j'y vais avec prudence. Enfin, avec Prosper, mais aussi avec prudence. C'est vrai. Ok, c'est non, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ils leur ont donné quoi leurs chevaux à eux? Oui, parce que. Ah, c'est ah bijou, elle a du mal, hein. Pourtant, elle a mangé, mais je crois que. À mon avis, ils leur donnent de l'origan. Ah oui, ah bah tiens, je donne un peu d'origan. Oh, mais qu'est-ce qu'on se traîne, nous? Moi, Après, je suis pas. Ouais, je suis prudente. C'est par là? Mon Global Prosper System me dit rien aussi là. Ok, non, de demi-tour faut descendre. Faut longer l'eau. Oui, j'étais plus sûr. Ici à gauche, voilà. Ah bah. Bon, il dérape bien oui. Le petit bijou là. Ah oui, il freine bien. J'ai fait revoir ses sabots. Ah oui, bah, c'est pas mal. Vous êtes pas fait arnaquer là. Ah oui. Bon, elle accélère pas, mais elle freine.
c'est bien ça. Bah, vous voyez par exemple le cheval de Monsieur Ray. Et bah lui il freine pas. Il accélère mais il freine pas. Voilà, il est trop lourd. Faut savoir ce qu'on veut. Oula. Oh, ici à droite, oui. Faut suivre le chemin. Oui, voilà. Je suis le chemin, oui. C'est une bonne idée. Mais on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas. Oh, un écureuil. Un écureuil. Ah non, non, j'ai non. Rien dans ma poche. Ah non, non, c'est ce point là. J'ai fait un tout petit chemin, je crois que c'était celui-là. C'est ici à gauche, voilà, sur le chemin. Ah, Bijou est fatigué, on va être obligé d'y aller à petit. À petit pas. Oui, aussi. Ouais, je compte pas là, je compte pas du foutre le feu non plus. La peau. Pauvre bête. Oh, il est fatigué. Ouais, je lui donnerai une petite récompense en arrivant. On se l'a dit, la vue est jolie. Ah, bah oui, c'est beau comme point. Oui. On aurait pu faire ça en bateau, mais bon. Ce qui serait vraiment incroyable. Mais bon, le bateau de M. Payneur, apparemment, il est invisible comme moi quand je suis fantôme. Oui. Ouais, oui. Enfin bon, s'il en a déjà eu un. Hein. Cette histoire de possession, c'est quand même un problème. Hein. C'est tout droit, j'imagine. Oui, 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 tout droit. Ah, disons que, à force d'avoir tout le monde qui est possédé, on sait plus qui sera normal. Ben non. Ah oui, bah c'est pareil en fait. Les deux chemins se rejoignent. Puis au bout d'un moment, qui sait qui est normal, vous savez. Ah ça c'est vrai ça, ça. Oh, des lapins. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a drôlement des bêtes, hein. Mais il y en a partout. Avant ils avaient peur de nous, maintenant j'ai l'impression ils n'hésitent pas à passer sous les sabots là. Jamais vu autant de bêtes. Bah oui. Laissez passer. Merci. Oh c'était bien ça. Je pense que je lui ai fait peur. Mon charisme naturel. Ah oui oui. Moi je pense que vous aviez même pas besoin de parler, il avait déjà. Encore un lapin. Oui. Bon ici vous suivez le chemin. D'accord. Encore un lapin. C'est fou, hein, ils ont. Un lapin pour rien. Ils arrêtent pas de courir vers nous dès qu'on passe. Un peu crétin. Le lapin. Les lapins. Ouais. Avant, ils faisaient pas ça, j'ai l'impression. Bah non. Il y en avait moins. Il y en avait pas en fait. Ouais, c'est ça. Ils faisaient moins ça parce qu'ils étaient pas là. Mais je vais peut-être devenir chasseur, moi, maintenant. Ah bah là, du coup, ça devient plus intéressant, oui. Tu tires en l'air, il y en a 4 qui tombent. Oui, pas besoin de viser en fait. C'est fou. Regardez là, regardez à gauche. On a aussi des. Mais oui, des biches, des cerfs. Des biches, il y en a partout. Oh, c'est fou. Est-ce qu'il y a eu une repopulation d'un coup? C'est tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Vous allez pouvoir enfin chasser des serpents. Ah, vous chassez les serpents vous? Ah non, moi pas, mais c'est pas. Enfin, si, j'en ai déjà chassé un. Mais c'est pas vous qui m'avez dit que vous en aviez cherché sans les trouver? Ou c'est Madame? Ah non, c'est que je disais. Non, non, non. Non, moi j'en ai pas cherché, je me rappelle juste que j'avais pris ma carabine au cas où j'en croisais pour pas que mon cheval se fasse mordre. Mais non, non, les serpents, je cherche pas. Oh, oui, d'accord. Ici, ah, c'est peut-être Miss Perle. Oui, hop, le petit chemin. Ah bah on va passer par Rhodes. Ah oui. C'est peut-être pas le chemin le plus court. Oh je sais pas. Bah en tout cas mon système m'indique que c'est le chemin le plus court. Ah oui, système... Mon système interne. Oui. Votre système de carte un petit peu, oui. Ok. Après c'est basé sur une technologie incroyable appelée cerveau. Et bon là je garantis pas. Ah oui d'accord. Et puis faut avoir de bons yeux quoi. C'est vrai aussi. Et je trouve que j'en ai deux. Alors oui, ça c'est bien, s'ils fonctionnent tous les deux. Parce qu'il y en a, ils en ont deux, bah, il y en a pour un qui fonctionne. Oui, non, a priori, ils fonctionnent. Il y a un cheval ici, mais c'est pas... Non. Non, c'est pas... C'est pas un cheval de l'équipe. Oh bah non, le cheval de Monsieur Duke, on le verrait de loin. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il dépasse des maisons. Ah oui. Beaucoup de poussière ici. Chaque fois que j'y passe, j'en absorbe autant que de l'air. C'est incroyable. Bah oui. Jean-Pierre. Il était venu, c'est celui-là. Ah si, c'est le saloon de Madame Miroslav. Ah bah, j'y suis passé il y a pas longtemps. Je vais chercher de la viande. Oula. Bah alors, il est perdu lui. J'ai une potion.
Ah mais y'a même des chevaux sauvages, c'est quoi ce truc? Eh oui, j'en ai vu pour la première fois hier. T'es fou. Oh, Bio aurait pu courir. Elle est pas très entraînée. Hein. Vous pouvez couper, je pense que vous pouvez couper en ligne droite ici dans le... Ouais. Oui, ah oui, vous êtes sûr? Oui, oui, allez-y. D'accord. Il est marqué, notre espacing, on vous tire dessus, je sais pas quoi, c'est pas grave. Oh, c'est bon. Je crois que ça veut dire dans une autre langue qu'on peut passer. Oui, ça doit être ça. Parce que ben, souvent quand je vois écrit ça, et ben, y'a pas de soucis. Hop. On passait peut-être par droite ici, ouais. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Et nous. Apparemment c'est eux les 13 passing. Ah oui. Ah oui, c'est un groupe. Ils étaient 3. Un, dos, tres passing. Ah mais c'était de l'espagnol. Pas ici à gauche. À gauche. Et tout droit je pense. Ça se mardi. Et on va regagner un chemin. Oh bah y'avait un chien. C'est fou. Ça aussi, hein, j'en voyais pas comme ça avant. Là, c'est à droite ou pas? Ici, c'est oui, tout droit, là, quelque part. Ok. À travers champ, je pense. Ah oui. Ah, attendez, ici. C'est dur. Ah non, c'est à droite, c'est à droite. Je vous avais dit que c'était spécial comme. Oui, oui. Le GPS. Ah, il y a peut-être un petit besoin de perfectionnement, non? Oui, c'est encore une technologie naissante. Oui, oui. Ah, vous êtes jeune aussi. C'est comme le bateau à vapeur, tout ça. Ici, c'est à gauche. Ah bah là, Bijou, oh Bijou, bon elle fait la tête. Elle va sauter, vas-y. Non. Oh Bijou, ça va. Allez. Ça va aller. On y est presque, on y est presque. Oh oui, elle fait la tête. Autrement, on peut terminer avec Tartiflette, hein, si vraiment il faut. On va y aller doucement. Par là, c'est peut-être pas le mieux. Si. Si, ça va. C'est là, par le pont. Par le pont, d'accord. À votre gauche, un gros tas de fumier. C'était ça l'odeur. C'est ça. Vous voyez qu'ils sont arrivés depuis longtemps? Oh bah je pense qu'ils sont déjà revenus même. Oui hein, c'est ce que je me disais, ils ont le temps de faire de petits voyages entre temps, de faire des allers-retours. Peut-être qu'entre temps, Duke et Daphné se sont mariés. C'est ça. On va les voir avec des enfants. Le petit a déjà son permis de cheval. Il est déjà lui-même marié. C'est ça. T'as vraiment un problème de climat dans ce pays. Ah, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arrive dans une ville, il fait un temps de chien. Bah dis donc. Oh bah y'a du monde. Faut tous savoir moi. Bonjour. 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 Oh. Regardez avant de traverser enfin. Oh allez-y tout droit. Tout droit? Ouais oui. Et bah j'y vais. On est des foufous. C'est vrai. C'est vrai que je nous sens un peu foufous là. Je sais pas exactement. Je pense que c'est là où on voit un petit bateau sur la carte. Bon attendez, c'est un soir. Un petit duo quoi. Bon, on arrive à l'heure. Incroyable. Je vais lui donner à manger quand même. Oui, elle était gentille. Allez, Bijou, faut manger. Bon, bah, repose-toi. J'arrive pas à la nourrir. Hop là. Moi je n'ai jamais venu dans le quai, Lyon. Mais c'est pas possible! Regardez-moi ces éclairs. Salut Silence, je crois que je t'ai pas dit bonjour, je sais plus, j'étais dans mes aventures, j'espère que tu vas bien. On va vers l'île de Guarma. J'avais pas envie d'y aller, c'est sympa. C'est moi ou j'ai vu Prosper aller dans la flotte? Non, c'est bon, j'ai dû... Quoi qu'il est pas là, hein.
Est-ce que... Non, y'a rien. Bah alors, vous trouvez pas le capitaine? Bah non. Décidément, les bateaux aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Ouais, ça je suis tombé. Ah bah c'est bien ce que... Alors j'ai tourné la tête une seconde, je vous ai plus vu, je me suis dit bon, peut-être qu'il est monté sur son cheval. Bah avec le tonnerre, j'entends pas bien. Du coup... Non mais c'est bien ça. Je pensais qu'ils avaient mis une planche plus large, mais pas du tout. Oui, il faut éviter de faire des gauches-droites. Bon, on trouve pas de capitaine apparemment. Ah bah d'accord. On a failli tuer le cheval de Madame Belize. Ah ouais, elle a pas habitué à... Elle est encore jeune. Et pas très entraînée. Ils sont peut-être partis pisser. Ah bah, une prochaine fois... Sur la planche. Là, je vous avoue que c'est jamais arrivé qu'il y ait pas... Non mais les bateaux, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un souci. Ouais. Mais c'est la tempête aussi, peut-être que... Ouais. Même si l'eau a l'air plutôt calme. Ouais, mais de leur remonter les gardes... Bon. Eh ben, c'était sympathique. Bon, on va à Armadillo du coup. Ah bah, moi je veux pas toi déjà. Ah bah oui, moi je veux bien. Enfin, je sais pas si Dubois, etc. ils sont toujours, faudrait peut-être leur demander. Un petit télégramme peut-être, on va peut-être passer par le télégramme avant. En plus, c'est juste à côté. Télégramme, c'est rapide. Madame Duval, vous avez des nouvelles de notre ami? Eh ben, non. Je l'ai pas croisé. Et vous? Non. On demandera à Capoe s'il a pas vu entre temps. Parce que lui, il prend tout le monde. Il prend toutes les... Enfin, C'est un enfant, je n'ai rien dit. Il prend tous les numéros. Mais les podologues, madame. Méfiez-vous, les podologues. Oh bon, merci beaucoup. Vous lui enverrez un télégramme du coup? Vous le verrez parce que sinon j'ai peut-être en envoyer un, mais. Bah, Capoui? Ouais. Ouais, je vais. Bah, j'en ai déjà envoyé un, donc je vais déjà voir s'il m'a répondu. Ok. Tu prends ton cheval? Hein? Bah, de toute façon, je vais pas le laisser là vu qu'on va pas à Guarma. Oula, pardon. Excusez-moi. Attention, madame Duval. Je sais plus vraiment, je sais pas vraiment où sont les télégrammes ici. Ah bah, c'est le bâtiment, tout simplement. C'est vous, juste après au bout là. Ah ouais? Le point, on le dépasse. Ok, peut-être mal. Peut-être abandonné. Bah pff, apparemment. Un petit peu deg, y'a pas de... On peut prendre un ticket de train ici. Y'a pas de... Bah y'a pas moyen en fait de prendre le bateau pour aller à Guarma. C'est un peu dommage parce qu'on avait un peu prévu ça depuis... Depuis milieu de semaine et tout. Là on était chaud pour y aller, c'est un peu dommage. Y'a un autre bateau. Au cas où ils auraient bougé par exemple les gardes. Ah oui. Attendez, c'est où les télégrammes? C'est peut-être des gardes fantômes, un peu comme moi parfois. Ou un petit peu comme le bateau de Pennyworth. Ah non, je suis bien là, regardez, hop. Moi je vous vois, moi. Vous avez fait hop. Voilà. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. Ah bah pas de réponse de Capouille. Ah. Il est peut-être parti aussi. Et si tous les gens étaient devenus des fantômes, sauf nous? Hein? Ou si tout le monde n'était pas des fantômes, sauf nous? Alors moi c'est marrant, je vois les mains de Ray qui sont devenues fantômes. Alors oui, j'ai un... Ah, oui, oh oui, pareil. Ah, oui. Non mais c'est qu'il a des très petites mains et il a le poing très serré. Bon, ça jure un petit peu avec votre taille, quoi, effectivement, c'est une tout petite main. Tout là, bah, oh bah, vous êtes tout nus là. Bah non. Ah ouais. Voilà, il a récupéré ses gants. C'est fou ça. Mes mains étaient restées sur mon cheval. Ah. Ah oui, d'accord. J'ai serré les trucs trop forts. C'est ça qu'on appelle une boîte à gants, c'est pour mettre ses petites mains. C'est ça. Je vais envoyer au cas où. Vous avez vraiment envoyé un télégramme à qui du coup? À Dubois. Dubois. Il m'a dit que vous le faisiez pour Capoué. Oui, bah vu qu'il m'a toujours pas répondu, je sais pas. Oui. Il l'a vu, donc. On verra. Non, mais si Dubois il est avec tout le monde, bah du coup il va nous répondre pour tout le monde. Quoique je peux peut-être envoyer à Pearl si en même temps. Oui, je vais envoyer à Pearl quand même. Bah, monsieur Dubois il a déjà fort à faire avec monsieur Tupéflic. C'est quoi? Dis quoi?
Stupéflic ? Analgésique ? Je sais plus. Pacifique ? Pacifique. Oui, voilà. Pacifique. Ah oui, bah, ils doivent se marier, mais pas vraiment. Ils sont amoureux, mais Pacifique est horrible. Enfin, bref. Oui, il avait pas l'air très amoureux, le Dubois. Hein. Il s'était quitté. Bah, je sais pas, apparemment, ils étaient en train de faire des déclarations devant Blackwater. Donc, Bah, j'ai cru comprendre que c'était Pacifique. Hein. Ah bah... Quelle belle façon de le dire. C'est ce que j'ai entendu. Oui, de son, je me relis toujours, ça va. Ah, ça ne nous regarde pas, bien sûr. Ah, du coup, on va à Armadius, hein. Bah, oui, s'ils sont là-bas, je pense pas qu'ils ont bougé en si peu de temps, quand même. Enfin, j'espère. Non. Bon, ils restent à... En général, ils restent à Armadius pour la soirée. C'est un peu de l'inédit pour moi, j'y suis juste passé une fois, je crois. Ah, bah, pareillement, et puis tu peux y être très vite. Ah, bah, moi, c'est Blackwater. Hein. Ah, oui, mais il faut bouger quand même de temps en temps. En plus, vous avez votre bateau, vous pouvez. Et bah, je vais qu'à l'est, ouais, parce que. On a pas que ça, la Saint-Louis. Ah, bah, décidément. Ah bah il vous manquait plus que ça. Ah mais ça je vais le tourner. Oh dis donc. Oui ça va. Ah, votre votre nuque a fait belle ordre de cerf. Ah il y avait une certaine souplesse. Vous voulez un bandage? Ah je vais aller en acheter à côté, c'est pas grave. Ah j'en ai un si vous voulez. Ah mais je sais pas, aujourd'hui les chevaux ça a été très compliqué pour moi aussi. La Danise. Un dinosaure comme destrier, ça présente des risques. Mais... Non, c'est un dragon là, je pense. Oula, attention, restez pas derrière, Prosper. Oula. Séché. Ouais. Oh non. T'as l'air. Oh non. Attention à mon cheval. Ah oui, bah oui. Est-ce qu'on peut me faire partir peut-être? Ah bah, moi je m'éloigne hein, si vous faites ça. Doucement. T'en bouge pas. Écarte-toi. Oh là 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 là. Attention. Ah. Hein. Bravo. Il vous faut des docks. Il va ça, peut-être latter quelqu'un d'autre, mais. Ils vont arriver. Incroyable comment il est KO. Waouh. Bonsoir. Oh bonjour, il fait jour. Oh, quel jour il faut. J'ai fait attaquer par un T-Rex. Bonsoir. Ah, vous pouvez pas demander plus de doc. Ah, Lyon. Ah, là, il y a de la. C'est Monsieur Duke. Oui, c'est Monsieur Duke. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Ah, c'est un désaccord avec son propre cheval. Mais c'est le cheval qui a gagné. Il est très joli, votre cheval. Merci. À deux coups, un de chaque côté. Ah, oui, il était chafouin. Hein. Bon, peut-être qu'il voulait la Guarma lui aussi. Ah, les deux, ils sont bien beaux, dis donc. La Danise, hein. C'était une bagarre avec votre cheval, Monsieur Duke. Est-ce qu'il a gagné apparemment? Oui. Et il a une plus grosse poigne malgré tout. Bah dis donc. Oui, c'est ma petite vache. Pas, Ah, c'est la petite vache. Un chevache. Un ravissant. Ah, je vais me pousser, sinon on va. En plus, j'étais sur le côté pour mettre des... pour accéder aux sacoches, il me met deux coups. Oui. Monsieur qui roucoule. Monsieur qui roucoule. Qui reconnaît pas quand. Ah bah vous avez rencontré une fois, vous avez dit que vous étiez le gang de Roku. Ah oui, bien sûr. Bah voici l'un de mes confrères médecin et Roku. Eh bien enchanté. Et ça consiste en quoi le gang des Roku? C'est les roues de Saint-Denis mais qui sont... Eh bien, oh d'accord. Non pas que de Saint-Denis, les roues du pays. D'accord. Alors attendez, c'est chouette hein. J'ai juste... Bah écoutez, je voudrais pas spoiler, mais je pense que je peux faire partie de la famille. Spoiler, c'est quoi? Divulgacher? Je vais juste placer mes mains dessus. Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas trop remarqué puisque vous avez toujours votre chapeau. Oui. Est-ce que vous pouvez serrer votre poing? Et dites-moi, est-ce que. Attention, on peut pas être mère si on fait partie d'un groupe. Ah oui, ça fait mal. Alors les roucoules, je pense pas que beaucoup de gens. Oh, c'est plus une sorte d'association, je dirais. Excusez-moi, je vous attire, s'il vous plaît. Ah pardon. Oui pardon, on va s'éloigner. Alors, Vous seriez étonné à quel point les gens me trouvent cool, Madame Daphné. Oui. Ah mais je n'en ai jamais douté, je vous trouve moi-même très cool. Ah oui, d'accord, ok. C'est très cool. C'est pour ça que je vous ai stabilisé d'ailleurs. Très roux, très cool. Euh,
Dis donc, il est bien soigné en tout cas. Oh bah oui, là, ils sont 15 à se précipiter sur lui, dis donc. Il doit vraiment se faire chier ce soir, je pense. Faudrait leur laisser Nesquik. Hein. Bah oui, on va leur prêter bah le oui. cheval. Oui, ça leur fait un petit peu d'occupation. Une petite attraction, là. Bonjour. Il nous a pas répondu. Pas très aimable. Ils sont pas très polis les gens dans ce pays, je crois. Ouais, Dites, on a pensé à un truc avec Madame Denise. Mmh. Oui. On va faire un Global Prosper System. Oui. Alors je louerai mes services. Un Global Prosper System. Ah, écoutez, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Je loue mes services, je monte sur les chevaux avec les gens et je leur dis tournez à gauche, tournez à droite. Dans 300 mètres, faites demi-tour. Voilà. C'est bien ça. Il me l'a fait. Bon, il était pas. Alors, le problème, c'est qu'il a besoin de quelques ajustements. On a testé tout à l'heure. C'était. Oui, c'est pas hyper au point. Ah, mais... c'était pas hyper au point, mais il y a l'idée. Hein. L'important, c'est l'idée finalement. Ouais, vous pourriez faire des effets de voix différents. Ah, bah, des imitations. Des langues différentes. Des langues. Des imitations, ouais. En chantant, peut-être. Ce serait vraiment pas mal. Ah, le faire en chantant, ça serait une sacrée performance. Ce serait incroyable. Ah, oui. Genre un mode Kai, ce serait génial. Parce que ce que je pensais faire, c'est peut-être plutôt que Global Prosper System. Oui, c'est, c'est difficile à dire. GPS, quoi. Voilà. Comme ça, on s'était dit ça. Tranquille. C'est facile. Oui. Puis vous n'êtes pas obligé de le faire cache-mal, vous pouvez le faire aussi sur les bateaux. Sur les caisses. Tout à fait. Bon, s'il y a des bateaux. Bah oui. J'avais pensé sur les trains, mais apparemment, ils ne peuvent pas tourner quand ils veulent. Ah. Ouais, ça, c'est un problème. En théorie, ils peuvent, mais. Ouais, mais la théorie, moi, je sais pas où c'est ça. Ah, le théorie, c'est bizarre. C'est sur le côté. Ou sinon, c'est un mélange entre le riz et le thé. Aussi, ouais. Ouais. C'est Capoué qui me disait ça. Il me disait que aussi, c'est pas un super mélange. Ouais, c'est vrai que Capoué n'a pas beaucoup de second degré, lui aussi. Mais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Il pose beaucoup de questions aussi. Demandez à Monsieur Duke, qui s'est très bien limité. Ah oui. C'est impressionnant. Alors, ah bah, j'aimerais beaucoup entendre ça, oui. Bah, il est parti où, Monsieur Duke, d'ailleurs? Ah bah. Bah, se faire replacer les côtes, je pense. Ah bah, oui, carrément, ils l'ont emmené. Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment. Ah oui, c'est. Ah bah, dans ce cas-là, moi aussi, hein, Pierre, si vous ennuyez, hein, je vois bien un petit check-up. Mais j'ai posé un petit coup de tête. Ne regarde pas ça, Madame Duval. Ah, mais c'est que mon cheval aussi m'a fait des siennes tout à l'heure, alors j'ai pris un bandage, mais. C'est un shérif, d'ailleurs, à cause de leur cheval d'un shérif. Il arrive comme tel un fou, et il sort de son cheval. Et son cheval, paf, coup de patte. Le shérif d'où? De Blackwater. Il m'a dit désolé. Ah oui, parce qu'il y a des shérifs à Blackwater? Parce que j'en ai jamais vu depuis que je suis arrivée. Ah bah voilà, c'était ma première expérience avec un shérif de Blackwater. Et vous avez pas donné des bandages? Bah j'en avais un sur moi, du coup je lui dis bah c'est bon, mais genre, j'aurais préféré un petit dénommagement. Ça aurait été tellement des choses. On est d'accord, hein, bon. Mais ils s'appellent comment les shérifs de Blackwater? Mais je sais même pas. Je sais même pas présenté. Si, je les ai croisés pour mon recensement. Yo Ranger du KO! J'arrive au bon moment, oui! Ah oui, c'est que vraiment ils doivent être là souvent, quoi. Oui, mais c'est apparemment, on va voir ça. Hein. Semblerait que. Voilà. Je suis un imitateur. Ils sont à 4 et ils discutent ensemble. Oui, c'est ah ça, bah, comme nous. Ah, mais vous les avez vus au moins déjà, parce que. On est peut-être shérif. Si, il y en a un qui est sympa, mais pareil, je connais pas son nom, prénom. Enfin, il me l'a dit, mais j'ai oublié. Alors, je crois que quand je suis arrivé, ils m'ont dit, mais ils étaient beaucoup. Mais ils faisaient rien. J'ai décidé de les appeler Smith, tous. Oui. Pourquoi? Si, il y en a un qui s'appelle Esteban, mais je sais pas lequel. Ah, il y en aura peut-être un dans le tas qui s'appellera Smith, ça peut être un pari, quoi. Ouais. Ah. Moi, j'en ai vu qu'une fois, il s'appelait Hervé et surtout j'ai plus rien à vu. Harvey Owens, c'était le meilleur. C'était Harvey Owens, c'était le meilleur. Juste une époque déboîtée. Ouais, mais c'était. Ah, quand même. C'était le shérif de comté, il s'est fait virer par les. Ah. Les marshals sans raison. Vraiment, j'en sais pas. Bah oui, ça va mieux. Ça va. On a remis l'épaule et tout ça. Ouais, bah. Merci beaucoup. Hein. Y'a pas de problème. Bah, vous êtes bien tombé parce que. Ah, bah oui! Enfin, il s'avère que vous étiez 15. Vous êtes arrivé en troupeau. Il y avait un banc de médecins, jamais vu ça. C'est ça. Mais du coup, moi je me spécialise dans la kinésithérapie. Oh non! Ah, bah moi aussi je suis spécialisé dans la kinésithérapie. J'en ai marre! Ce soir, j'en ai marre! Non.
Un petit coup de cuillère. Mais c'est toi qui l'as frappé. Désolé, madame Duval. Non, pas du tout. Oh, c'est... Tu frappes les vieilles dames, c'est... Non. Excusez-moi, vous pourriez me sculpter. Oui, y'a pas de problème. Oh là, Mme Duval, vous n'avez pas manqué. Je suis désolé. Mais quand même, un peu plus bas, c'était la mâchoire qui est partie. Ah, il est... Ah, y'a eu de l'élan, hein. Monsieur le docteur, Ray vous donne du travail ce soir. Oh putain, je suis désolé. Vous allez pouvoir parler, je vais vous appliquer un peu de baume. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, vous me devez une imitation de Capoué. Ah oui. Ah. T'es vendu, hein. Ah oui, oui, on m'a dit que vous saviez très bien imiter. Une imitation. Une imitation de Capoué. Mais faut que vous me disiez... Si vous me dites une phrase avec juste un mot qui a l'air... Ah bah, simplement dire Denise Duval. Dites Denise Duval. Denise Duval. Il fait moins d'efforts encore. C'est souvent Denise Duval. Denise Duval. Ah, oh, je le reconnais bien, là. Youpé. Ah bravo. Vous le reconnaissez. Merci beaucoup. Il est toujours en du coup, excusez-moi madame, mais je vais devoir vous demander le 1 dollar pour le remboursement de du bandage. Écoutez. Je veux pas abuser mais je pense que ça va être monsieur Ray qui va vous le. Oui, bien sûr. Non, excusez-moi. Oui, c'est voilà. L'habitude. Voilà, merci. Voilà. Merci. Super. Alors, qu'est-ce que t'en penses, aujourd'hui? Tu as encore des siennes, hein. Ouais, là, c'est du comté, on vous le dira, oui. On était au bon endroit, en tout cas, merci. Pas de problème. Merci, t'as monsieur le Roucoul. Bonsoir, monsieur. Oui, Bretel. Bonsoir. C'est vrai qu'ils sont cool. Ah, décidément, les gens sont mal polis dans ce pays, c'est dramatique, quand même. J'ai un télégramme de Joe qui me dit « Venez à Armadillo, il y a la joute ». Oh, bah jamais vu. La joute. Foutre ma gueule face à moi, c'est un enfer, c'est vrai. Ah non, mais... Ah mais oui, non. Si c'est vrai, je pensais qu'il l'avait fait devant toi. Effectivement, ça va être ambigu. Je vous redemanderai d'ailleurs plus tard une nouvelle imitation quand il aura bu, histoire que... que tu puisses comparer. Bon. Alors je vais m'éloigner un petit peu, moi, parce que... On peut prendre le train, si vous voulez. Oh, oui. Bon, bah j'appelle Bijou, alors. Allez, bijoux. Allez, on va prendre le train. Ah, on prend le train. Ah, bah super, jamais le putain. Enfin, si, mais pas dans ce pays. Je vais vous suivre parce que je sais pas où c'est. Après, il y a deux trains. Oui. Là, on va prendre l'express. Du coup, on va prendre l'express, oui. Sinon, il y a le train qui passe avec des horaires précis. Oui, dit. Ou c'est le train précis, balade, celui-là. Voilà. C'est le train c'est, quand on est touriste. C'est 5$ l'express? Ouais, là, c'est 5$. Je d'ailleurs, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un à 2$. Je pense que je dois avoir ça. Ah, j'ai pas oui, eu dois, encore. Je dois avoir aussi. Quelqu'un 2$ pour moi, je veux bien. Parce que du coup, j'ai payé 3$ de. C'est si vous voulez, je les ai pour vous remercier du coup de main. Non, bah non. Ah bah, si non. Vous voulez lui donner, Madame Duval. C'est Flatneck. Flatneck j'ai en tout cas. J'ai. Ouais. Il y a besoin, j'ai. Non, pas Flatneck. Bénédicte. Comment Bénédicte. Alors, comment ça se passe okay. Bénédicte. Ouais. Eh ben c'est parti. Il faut quoi pour qui alors? Tu peux aider? Oui. Non. Ah si, pardon. Bah, j'espère que non, ça va aller? Vous avez assez? Ah mais ça me fait 4... Ah non, c'est bon, pardon. Si vous avez pas assez, je vous donne. Hein. Mais oui, mais c'est bon. Allez. Allez, Bénédicte, allons-y. Hein, Bénédicte. Ce que vous avez dit. Vous trompez pas. Bénédicte, le deuxième. Et c'est parti. Le train. Oui, ah, oui, je pense que... Je vais être un peu déçu. C'est un faux départ. Ah non, on est là. Non. Allez, à tantôt, hein. On m'avait dit qu'il y avait vite, mais à ce point-là, je pensais pas. Oui, hein, c'est vous. Je peux dire que là, je te vois pas, mais oui, je te crois. Ah, tu... Super. Pardon, j'arrête. Dites-moi que je suis parti parce que là j'ai peur. Ah non, c'est bon. Ok. Non, j'ai eu peur, hein. Salut, Trapil ! Le train. Et oui, on prend le train. Non, parce qu'on devait. Alors, il s'est passé plein de trucs ce soir. On devait aller à Guarma. Finalement, ça s'est pas fait. On a une route compliquée. Guy et son cheval, c'est une histoire de haine, apparemment. Du coup, il y a des soucis. Non, c'est. C'est une soirée rigolote, mais. Rien ne se passe comme prévu. Oh, j'adore ton c'est super. Rapide, notre express, en effet, oh, dis donc ah bah, on est déjà. Alors, c'est vrai que c'est pas donné, mais. Et je comprends. Ah, vous avez besoin de plus à l'aise qu'il y en a un.
Ouais, je vous regardais où il y avait des trappeurs. Si vous voulez acheter de la bouffe ou quoi, il y a la cantina qui est là qui est pas chère. Ah, mais en plus. Ah oui, d'accord. C'est vrai que je suis pas loin de tomber dans les vapes. Bah ouais. Moi ça va grâce au médecin. De l'ouest, seigneur. Ah, j'avoue, elle a pas été trop. Oh, il restait des cibles habituelles. Elle a pas été rétablie. Ah oui, mais parce qu'ils ont eu des morts et tout, je sais pas si oh, c'est. Oh, pardon. Hop là. Bon, moi ça va. Tu serais malin s'il y en avait un qui sortait de derrière la station. Ah bah oui. Ah, mais on n'est pas du tout directement à Armagnac du coup. Ah bah non, on peut pas être à Armagnac. Ah, on est quand même pas trop loin, ça va. Bon, je vais appeler Bijou en espérant qu'elle accepte que je lui donne à manger parce que tout à l'heure elle voulait pas. Vous avez à manger dans vos poches, vous êtes sûr? Ah oui, tout à fait. J'ai fait plein en plus, juste hier. Attention, à chaque fois elle arrive comme une folle. Oula. Tout doux, Bijou, tout doux. Alors, je vais te donner à manger, mais il faut que tu manges. Ah bah si. J'ai reçu... Ah bah, apparemment elle a pas faim. Non mais... Contente, je lui ai donné le mauvais ordre. Ah oui. Je vais m'éloigner un petit peu, parce que j'ai pas envie qu'elle vous fonce dessus. Compliqué ce soir. Voilà. Voilà, prends une petite carotte bijou. Et là c'est tout bon. Là c'est bon, je suis paré. Ça va aller Prosper? Tout va bien. C'est vrai qu'on l'entend de loin votre... Ah oui. Oui bah oui. Et puis on est pas trop loin, ça doit aller. Ouh. Alors on va pas rester là. C'est parti. Ah mais c'est une soirée très marrante en tout cas. Imprévu, ça plaît toujours Denis. Ouais. Oh les chevaux me foncent dessus. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Les chevaux sont fous. C'est un truc de... Mais les chevaux sont dingues en ce moment. C'est un truc de gueudin. Ah bah là ça tient mieux la distance là. Allez, je lui ai donné à manger tout à l'heure, c'est vrai que je lui avais pas donné avant de partir, elle était full mais elle était pas en jaune on va dire, avec du bonus. Là elle est mieux là. Regardez la Denise là avec ses petites épaules rabattues. Une vraie benditas. Benditas. Une bandit. Comme ça on a le phare, c'est ça qui est bien. Ah bah voilà, plus de bonus. Oui, ça, oui quand on court en permanence, ça... Zer. Bon, dis donc. Oui voilà, c'est ça. Une gredine. C'est gredin mais féminin. Comme grenadine mais en plus sucré. Un autre fouet quoi. Au moins ça fait de gagner de l'XP à mon cheval là, un petit peu. Parce que voilà, j'aimerais bien qu'elle puisse tenir la longueur. Parce que là elle galère un peu là. Là on voit bien qu'elle ça... On va devoir ralentir. Mais Armadillo c'est là-bas je pense. Ah, et puis bon, là au moins, on sera avec du monde. S'il se passe des queutrues, on sera avec du monde. Puis je me cacherai derrière Ray. Et puis voilà. Doudou bijou, doudou bien bijou. Ça va, ça va. On est presque arrivé. Ah, de nuit, c'est sympa. Hein. Regardez de nuit l'effet que ça fait là. Regardez ça. Esthétiquement, ça déchire Red Dead 2. En RP, t'as vraiment des impressions, mais t'es. Je sais pas.
Et voilà. On va te ranger ici, bijou. Si, c'est ça. Si, seigneur. Oh, bah, j'entends un asthmatique. Au revoir, bijou. Qu'est-ce qu'elle fait? On va pas savoir ce que... Elle a été attachée là. Non, mais c'est n'importe quoi. Je vais la poser ici. Ça m'énerve, y'a un qui va. Avec les chevaux, y'a un qui va là. Voilà, là elle est tranquillou. Moi aussi je sais faire ça avec mes jambes. Écartez-vous, attention, écartez-vous, oui. Ouais, moi je mets mon cheval loin, comme ça, pas de soucis. Ça siffle son cheval de partout, je vais bien me cacher. Ah, tu veux le faire avec moi? Bonsoir. Voilà. Oh bah. Ah, j'entends un âne. Oh, c'est les joutes. Oh. Wow. 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 C'est la première fois que je vois ça. Oh merde. Il va m'apprendre la vie. Hey Miss Pearl. Bonsoir, Miss Duval. C'est bien moi. Je me suis battue. Ah. Ah oui, moi je me suis ouvert un pain. Ouais, ah. Le guerrier contre qui moi, ouais, maître Mathieu. Ouais. Ça va bien? Vous ça avez va. Gagné? Bah non, j'ai perdu parce que ah c'était oui. contre ce Guerrissos là. Ah oui, effectivement. Oh, vous aurez pu laisser gagner. Réveillez-vous. Non mais guerrier. Oh waouh 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 waouh. Non mais qui m'a combattu? C'est passé ce soir, ils se sont tous donné le mot. Être terminé pour tes quoi. Ah, il a qui le cheval en fait? Vous avez déjà vu des livres sur les joutes médiévales? Ah bah non, c'est la première fois que je vois. Et vous avez jamais vu le livre sur les joutes médiévales? Sacrément. Faut que je sache. Ben, j'ai peut-être vu une image. Tu fais que me rentrer dedans, Willy, dans ma voix. C'est trop bien. Moi, je vais les faire. Oh, mais les chevaux, là, ils s'en remettent pas à chaque fois. Pour éviter qu'ils se rentrent dedans avec les chevaux, quand même. On va payer ces soins maintenant. Mais oula, dis pas ça en face de deux, tu vois. Bon, sinon, mis à part, mis à part, que le tas peut être par terre avoir gagné. Moi, entendu, oui. Attends, tu as gagné en me rentrant dedans deux fois. Pourquoi tu veux que ce soit moi qui dise ça? Viens te battre ton maroc, je me soigne en ce moment. Allez. 5 mois, Gary. Eh, mais c'est Monsieur Cooper. Oh, oui, bah le cheval, je suis pas sûr qu'il va s'en remettre. Hein. Oh là là. Je vais prendre un petit verre, tiens. On a fait des combats de rue, maintenant c'est des joutes. Passez bah, plus souvent. Ah ouais, c'est super drôle, oh. L'armadillo, c'est génial. Ouais, c'est sympathique, hein, j'aime beaucoup. Non, on fait pas de joute. La plupart du temps, les chevaux sont interdits, de toute façon. Faudra déjà on va dire quoi? Après, bon, j'aurais pas envie qu'il arrive quelque chose à ma bijou. T'as perdu, t'as gagné. Oh! Ah, attention, ça tape dessus! Il m'a mis au sol, oui. Et moi, lui, on va mis au sol. À la machette! Ah non, à la hachette! La hachette, oui, je me suis trompé de terme. Ah, d'habitude, c'est à la machette. Oh! Je parlais trop fort, oui. Oh, non. Oula, bah, ok, ça plaisante pas leur truc. Ah oui, Lyon, c'est pas avant numéro. Ah non, c'est des vrais combats, hein. Bah, c'est un peu à mort quand même, non? Mais regardez les sangs qui traînent dans la. C'est à mort nu. Au moins, les spectateurs avoir des trucs, c'est lui. Si, si. Pour nos ancêtres, oui. Pour les nourrir. Hé, guerrière, guérisseuse. Oui, non, il y avait un combat contre toi maintenant. Combat quoi, dis-moi. Wow. Au poing. Oh, je te voulais. Pourquoi tu veux au couteau? Moi j'aurais voulu sortir. Moi j'aimerais prendre quelque chose à boire, moi. Ah. Non, non, ouais, ça, ouais, ça fait mal, très mal. Je me soigne aussi, bien sûr. Ouais.
Ouais, en RP, bah faut en fait savoir un petit peu répondre, mais en soi, au début, souvent, on écoute plus. Et puis, on est ouvert à discussion, et après, ça vient un petit peu quand on connaît les gens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Plein de choses, j'imagine. Hop. Jugo Conga. Du chili avec du carnet. Hein ? Ouais, de la tequila, ça c'est des trucs, je suis quasi sûr, ça pique. Ah, c'est chaud, ça fait chaud dans le bidon, la tequila. Oui. Moi, j'aime bien, moi. Oui. Une petite tequila. Ah, je vous conseille le mezcal, l'alcool de serpent. Ah. C'est un peu plus fort qu'un tequila. Ah, je verrai après, alors. Parce que bon, je sais pas trop comment mon corps tolérera le serpent, à mon âge. Eh, hey, mais déjà, moi, il y a parfois des jus de fruits, j'ai du mal à les encaisser. Des jus de fruits qui piquent ? Bah oui. Ouais, c'est sucré. Hein. Oh, il y a un piano. Oh ! Alors attention, j'espère que ça ira. Ouais, je suis armé, vous inquiétez pas. Ah, l'ambiance est très cool. Il y a moyen d'en jouer. Oh ! Mais montrez-nous donc ! Bon, attention, tenez-vous prêt. Hein. Ouais, je suis Moi, je suis pas. Hop. Là, moi, j'ai fait mes calumets, oui. Mais. Comment ça va ? J'ai levé les bras et du coup, j'ai plus ma tequila. Oh, je suis tic. Oh, je suis tic. Ouais. Despacito. Ça veut dire quoi, despacito ? Aucune idée. Hein. Ça me vient comme ça, je pense que c'est la possession. Ah oui, oui, c'est vrai que ça, la musique parle à travers vous, en fait. Mais c'est pas des fantômes de chez nous, non. C'est pour ça. Oh là ! Un, deux, tres, un pasito pa'lante, Maria. Ah oui, wow. C'est vraiment pas de chez nous. Oh, c'est vous ! Nine, 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 six, soft ballons. Ah, vous avez raison, c'est pas chez nous. Ah oui, c'est bizarre, ça aussi. Oui, vous avez raison, il y a la possession. Du has. Eh oui. Du has, mais ouh, c'est bizarre. Aucune idée de ce que je raconte. Aïe, aucune idée de ce que je raconte. J'ai bien envie d'arrêter pour voir. Oui. Ah ouais. Oui. Ça s'arrête bien. Il va vous falloir un petit aide de lasso. Ah bah ça part là-dessus, hein, j'ai l'impression. Très bien, ah, si c'est pour rendre service. Par contre, dans le désert, pour m'humidifier le chiffon, je sais pas comment je vais faire. Je vais demander de l'aide. Dites-moi. Bonjour. Oui. Est-ce que vous sauriez comment quitter. Comment arrêter de jouer sans qu'il y ait le moindre souci ? Je suis possédé. C'est. Carrière. Parce que sinon, c'est un coup de lasso. Je vais devoir lever tes bras, oui. Mais levez mes. Oh ! Oh ! Il vous a sauvé, incroyable. Monsieur ! Bravo! Wow. Bravo! Sinon, c'était de l'assaut. Exorciste? Ah, pas loin, hein. Guérisseur, c'est peut-être. Incroyable. Guérisseur. Guérisseur exorciste. Bah, vous êtes chaman, vous êtes trop fort. Je être guérisseur, moi, être pas chou, pas chou. Ah, vous êtes un chaman. C'est pour ça? Non, c'est pas un chaman. Ah non? Bon, en tout cas, vous parlez aux esprits, ça a marché super. Oui. Oh, bon, déjà eu problème, oui. Ah non, oui, d'accord, il faut connaître. C'est vraiment quelque chose. Faut connaître. Oui, esprit, grand esprit, me jouer des tours quelquefois, oui. Ah d'accord. Mmh. C'est bon à savoir. Bah, merci beaucoup pour l'aide. Mmh. Ah, merci, monsieur. Tout à vous. Ça t'a l'air une guerrier, oui. Ah bah oui, comme oui. Vous dites. Tout pareil. Pareil. Vous participez aux joutes ? Oui, moi avoir participé, oh mais être ah. Petit biais, oui. Oui. Je vais devoir faire, oui. Ah oui, j'ai vu un petit peu, je suis étonné que vous marchiez. Oui, oui. Ah oui, ça plaisante pas par ici. Hein. Ah dis donc, oui. Hein. Ah, quand il faut des événements, il se passe des choses. Oh, ah, mais quand je pense qu'à Blackwater, on peut pas monter sur les toits, ici tout le monde est sur les toits, il y a personne à terre. Mais bah vaut mieux, hein, parce qu'il y a beaucoup de chevaux quand même. Ben oui. Ah bah on pourra peut-être monter à l'étage tiens. On verra peut-être bien. Oh. Je vais essayer. Il y a un étage ici alors. Bah oui. Comme ça on verrait tout de très haut. Faut aller plus haut. Ouais. Ouais, plus haut.
Dommage, j'ai sûrement autre chose à dire, mais je connais pas. Mais moi non plus. Je me suis lancé un peu, j'étais motivé. Puis en fait, mais y a sûrement quelque chose encore à dire. Hein. Ça, c'est... Oui, sûrement, sûrement. Sûrement, sûrement. On va bien trouver quelqu'un qui connaît un peu la suite. Ah, ça y est, c'est à terre. Tu vas où? Vous avez un docteur? Oh, oui, y en a qui se relèvent pas. Mais ça rigole, c'est ça qui est bien. Rythme dans la peau, ouais. Denise, quand elle danse, c'est alternatif. Ah, bien combattu, Yaya. Ah, c'est un beau combat. Ah, t'as fait un coup de reine à droite, là, dernier moment. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, je te touchais pas. Bon. Ah si, c'est pas grave. Allez, il va revenir, le doc. Oui, il y a un cheval là-bas, il a pas l'air en forme. Petite seringue, oui. Oh, mais il y a du sang sur le sol. Ah, je pense qu'il s'est blessé. Ah oui, ou alors il avait du vin dans la poche. Moi, tant qu'il touche pas aux chevaux, ça me va. Hein. Baf. Regarde pas à ta droite alors. Oula. Ah bah oui, d'accord. Oh bah là, regarde. Bah là-bas, attends, c'est pas. C'est pas le. C'est qui se bat là-bas? Oui. Bah c'est Madame Pearl et Pied du Bois, non? Oh bah je vais aller voir ça, moi. Ils se mettent une route. Ils font ça en douce, là. On peut même pas parier. Moi j'ai l'impression que c'est une parade nuptiale. Ah bah ah, c'est pour ça qu'ils sont isolés. C'est de la tension sexuelle avec Monsieur Stupéflic. Il faut qu'il libère tout ça, Monsieur Dubois. Ah. Mais il est là, Monsieur pas un flic, là? Bah non, je pense pas. Bah on le verrait, hein. Oui, oui, là, quelle question. Pas mal aux yeux, donc, il attirerait les papillons, je pense qu'on verrait de loin des lucioles. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a deux sorties ici, c'est bizarre. Oui, alors vous faites attention quand on est proche, puisque si on est un peu derrière, paf, on se prend le retour dans la tête. De Naya, pas Jaya. Ouais, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent, hein, par contre. Bon, on n'a pas l'habitude. Bah non. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, non. Oh bah oui, pauvre cheval. Ouais, je suis pas sûr qu'ils dorment, là. Ouais, pauvre bête. Oui. Oh, voilà, voilà. Oui. J'avais pas vu que vous étiez là. Oh bah c'est super ici. Ouais, oui. Vas-y Pearl, vas-y, mets tout ce que t'as. Quand tu contre, fais un pas en arrière. Quand tu contre, fais des pas en arrière. Vous avez fait un... Non, un non, attention, vous êtes pas loin, Daphné. Attention, oui, c'est ça. La règle numéro 1. Ah oui, non, ça va, moi je suis bien. Ouais. Ouais, écoutez, un combat, vous appelez ça, voilà. C'est une séance complète. Ah, pardon, d'accord. Voilà. Ouais, éventuellement, oui. Si je gagne, vous finissez par terre, vous mettez de l'or. Je vous donne de l'or, mais vous pensez que je suis qui, moi? 2 dollars. 2 dollars. Quand tu comptes le score, moi, je pense pas faire un pas en arrière. Je vous rappelle que moi. Je vous rappelle que moi, mon métier, c'est de rien faire. Hein. Attends, je vais te ligoter. Et d'ailleurs, demain, on a le même métier. Ouais, j'ai l'impression qu'on est, un peu dans ce cas. Ouais, c'est ça, apparemment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, vous êtes Kiro. J'ai rangé mon couteau au cas où j'ai un mauvais. Ah, je regarde. Alors là, comment je vois? Allez, Pearl, te laisse pas dépasser, Pearl. Pas du tout. Oh, c'est qui se battre? Vas-y, monsieur. Pennyworth, c'est Pearl. Pearl Yardoy. Ah, Dubois, qu'est-ce que je dis, Pennyworth, ah. N'importe quoi, Dubois. Je dis des sottises. Oh, mais. Mais vous êtes perché, j'avais pas vu. On sent les deux adversaires fortement concentrés. Il semblerait qu'il y ait un léger avantage pour Monsieur Dubois, mais... Mais la Pearl ne se laisse pas avoir comme ceci. Allez Pearl, voilà mon... Oh, gamme. Bravo. Oh, là, là, là. Bravo. Oh là là, Pearl. Pearl, tiens, bois ça. Viens voir, viens voir. Bravo Pearl. Vous êtes exceptionnel, bois Pearl. Ça, Pearl. Vous apprenez vite. Il faut guérir Monsieur Dubois. Pardon, il y a... par contre, il y a un cheval. Ouais, c'est le bien. Je pas, tiens, ouais, il va nous attaquer parce que vous êtes à terre. Il y a un médecin par ici parce que bon, et le petit gars là. Ça marche.
montagne. Ah, c'est voilà. Gracias. Oh, ça y est, c'est parti. Une tequila, tout la boire pour sec. Oh, bah désolé, j'ai touché les tétés. Oh. La technique des tétés. Bah, j'y prends aucun plaisir. Hein. C'est bien joué, bien joué, bien joué. Lundi soir. Ah, une fuite de la part de Prosper. Peut-être une technique. Attention, Daphné tente la même stratégie. Oh, la mise au sol de Daphné. Incroyable, incroyable, incroyable. Attends. Et Monsieur Duke qui a les membres qui démangent. Ah bah voilà. Y'a pas eu le temps. Match nul. Y'a une lumière. Match nul. Ah, match nul. Ah, c'était un beau combat. Ah, j'arrive pas à croire que c'est ce débile qui va te poser ma forme. Comme quoi, hein? Parce que j'ai perdu une dent. C'est vrai. Pour moi. Ah, pour le moment, il y a la journaliste Sylvie Olga. C'était incroyable. Et voilà, et toi aussi. Vraiment bravo. Ah, si vous voulez, oui. Si tu veux, je te présente, je connais bien. Ça manque d'un petit orchestre là à côté médecin. Pour donner un rythme. Monsieur le médecin, il faudra. On s'est battu nous aussi. C'est un combat, mais. Pardon, monsieur le médecin. Pardon. Elle m'a défoncé, monsieur. Pardon, mais j'ai mis. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça lui a fait de ça en même temps, monsieur Dubois. Tout le monde le bat. Monsieur le médecin. Même moi, je le bats. Oh, le médecin. Il y a de la provocation de la part du médecin. Oh putain. Oh, et le tonnerre s'y met. Ah mais j'ai donné 3 d'heure mais je sais pas à qui. C'est à madame Pearl. Oui, je pense que c'est Pearl. Vérifie. Bah, je garde. Au revoir. On l'a rattrapé. Au lasso. Montage, merci. Ah bah bravo. Moi je dis, on l'a rattrapé au lasso. Ah bah ici le médecin là, le soir c'est là où il travaille. Oh, quelle belle image. Le tonnerre là-bas. Oui. Oh mais il y a une fosse ici. Parce que c'est une femme et c'est une solidarité. Alors je lui ai tout appris. C'est vrai qu'il m'a tout appris. Ouf. C'est qu'est-ce qu'elle gagne alors? Mais c'est un bon prof. Non, sérieux? C'est pour ça que je suis là à 2h30 du matin. C'est parce qu'il y a de l'innovation. Si je fais le poteau devant le cabinet, je serais déjà plus là. Docteur Weber. Docteur? Non. Docteur Vénère? Non, Vénère, ouais. Ah, ça me rappelle une chanson, ça. Ah, c'est spécial. Ah, c'est spécial. C'est moi qui suis pas mal le soin, docteur. Attends, on est là. On s'entend pas, on s'entend pas. C'est qui, docteur? Oh, Nzi aussi, oui. C'est ce tonnerre! Geyser! Aïe. Bon, je voulais d'autre par derrière, mais c'est un petit du cinéma. Aïe. Vous avez mal? Oh, je vous plains. Geyser. Il faut. Ah, il les met directement. Oui, oui, s'il les met directement. Oh, une jolie votre casque. Gracias, señorita. Beaucoup. Bah oui. Alors vous en êtes bien sorti? Docteur Weber, il est pas en train de retourner là. Ah, on a un gagnant devant nous, bravo! On va y aller, soigner. Qu'y a? Il va faire la joue mexicaine. Ah non, mais tu t'es pas fait soigner! Ah, c'était ça le test! C'est comme ça que vous vérifiez si on est bien! Ah, bah allez, ah, mais c'était rapide! Je vais rester comme ça, ouais. Monsieur Dubois! Putain, mais ça me t'en bouffe. Le bois bouffe la terre, dis donc. Monsieur Dubois, on profite de la vue là, mais bon. Quand vous levez un petit peu de dignité, monsieur Dubois, s'il vous plaît. Ah, désolé, mais. Non, parce que vous voir gigoter comme un asticot, c'est un peu gênant. On est d'accord, madame Denis. Ah, c'est. Désolé, hein. Vous en avez profité pour regarder. Moi, je pense qu'en fait, qu'il danse pour vous. Non. Vous connaissez la parade nuptiale de certains animaux? Vous n'avez pas été soigné, monsieur Dubois? Non. Non mais qu'est-ce que... C'est mal. Non mais quand vous avez mal, c'est rigolo. Ah bah super. Oh,
ça va mieux. Non. Ah, non mais attendez, attendez, le médecin va. Monsieur Pennyworth. Voilà. Bah alors. Oui, oui, arrêtez ça, c'est gênant. Il a pris un mauvais coup. Si vous avez faim, c'est pas la peine de manger l'herbe. Hein. Ah bah voilà, on est d'accord. En plus, c'est pas bon, ouais. Ah bah non. Celle-là, elle est un peu séchée, et puis il y a de la terre avec. Oh, secours. Moi aussi, il doit me faire soigner. Médecin, c'est une. C'est un métier d'avenir ici. Ah, il faut savoir courir vite. vous êtes mon héros. Bon, 4 pains aussi, c'est magique. Ouais. Il y a à peu près 200 pansements par soir. Et toi, guerrier du bois, être tombé. On en a fait 250 ce matin, on en a plus que 70. C'est pas tout 200 On en a utilisé presque 200 en fait. Ça se règle bien là. Guerrier, on va avoir besoin de. Là-bas. Le guerrier va avoir besoin de. Ah, c'est un matin. Gabriel. On va faire Ah, mais ça prend la revanche. Oh, j'avais pas vu. Alors la chiropractèse. Ah, ça chiropractise. Tout le monde se redresse. Mais moi, ne m'obise pas. Les joutes plus la bagarre, il va falloir un deuxième médecin. Parce que... Oui, où être ton apprenti guérisseur. Il est parti sur un... voilà, quelqu'un qui est un... Allez, faut chiropractiser. Faut chiropractiser. C'est joli votre petit maquillage. J'ai l'impression qu'il y en a un qui vraiment met des coups très forts. Oui, c'est vrai. Oh, bravo. Bravo. Ça peut être guerrier, être sûr. Elle a mis ses doigts dans mon nez. Je vous avais dit que c'était pas un guerrier. Hein. Oui. Oh là là, vous êtes tous des figurines qui vont faire. Elle aussi sec comme ça. Ah ouais. En plus, on a gagné toutes les deux. Ouais. Allez, voilà, c'est la finale. Ouais, bouge pas, c'est parce que je suis bon joueur. Mais par contre, il faut que vous fassiez soigner avant. Oui. Oui, je vais pas te dire. Oui, oui. Attendez, je vais aller acheter des bandages. Moi je vais aller acheter de l'alcool. Avec plaisir, oui. Je vais offrir une ou deux tequila. Par-ci par-là, on m'a souvent offert des verres, moi j'ai pas souvent fait. Mais je dois avoir. Je suis super chaud avec ma veste, attendez, on va régler ça. Voilà. Allez, va le chercher. J'ai pas fait gaffe à la veste. C'est pas très. Voilà, c'est pas très logique. Bonjour, c'est moi. De nouveau. Ok. On m'empêche de boire. J'en ai pris 3, comme ça je vais faire une petite tournée là. Je vais reprendre au moins une ou deux en fait. Encore. C'est pas grave, hein. Ça sert à ça les PO. Hein. Ça sert à acheter de la tequila. Hein. Hop là. Ça passe combien juste pour que je rigole ? 5, ça va. Franchement, ça va. On a mis des sous de côté aujourd'hui. Is ok. Bon, bah, ici, y a pas de gentil chien à caresser, y a des chevaux morts. Ou bien sûr, des messos. Ils sont mexicaines, ça, ils les adorent. Ah, mais je comptais bien les appeler, hein. Ah bah si vous les cherchez, ils doivent être enterrés là. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, vers Fort Mercer, ils sont enterrés. Et ils les laissent comme ça en plein soleil? Bah non, dans... sous terre. Ouais, mais... Bravo, c'est du bois. Bravo! Ah.
j'ai mis le chapeau de merde. Attendez, je vous le rends quand même. Oh. Oh voilà. Victoire par KO. Ah, ne jamais baisser sa garde. Oh là. Il est décédé. Je vous pose la question numéro 1 du chiropracteur club, c'est qu'il n'a pas de chiropracteur club. Ah oui. Il arrive. Il me semble que la numéro 2, c'est se référer à la première. La règle numéro 1. Ouais, 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 ouais. Je, vois ça, je crois avoir déjà entendu ça quelque part. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. On sait comment vous récupérez votre matière première, vous. Hein. Ah, ben ça. Personnellement, je passerai pas tous mes samedis ici. Hein. Un chiropracteur club, c'est sympa. Parce que c'est douloureux quand même, l'air de rien. Je vais chercher. Il doit se faire de l'argent de ce soir, le docteur. Ah, ça, je pense, ouais. Ah, bah, contrairement à moi. Payé, faut le faire. Ah, oui, c'est vrai. Oui, ils prennent des abonnements ici, c'est plus simple. J'allais m'acheter un cheval, bah, je pense que je vais rester de tortiflette. Le petit âne. Ouais, oh, il est sympathique. On l'entend de loin. Oui. C'est vrai. Mais j'étais à deux doigts d'en acheter un vrai. Hein. Un grand un peu comme vous, là. Ah! Comme vous. Un grand comme vous, comme le vôtre, quoi. Comme ça, quoi. Un grand comme ça. Un grand comme ça. Pas comme le T-Rex de Monsieur Duke, mais quand même un grand, quoi. Oui. Bah, surtout que c'est dangereux, on a vu. Hein. Faut savoir les dresser, ces bêtes. Ben oui. Moi, j'ai. Si je suis sur plus petit, c'est ridicule. Ah, t'es bourré ou pas? Ah, j'imagine que ça va être compliqué. Ah. En parlant de bourré, quelqu'un veut une tequila? Pas moi! Ah bah toujours. Ah, you want tequila? Alors, juste tequila, man. Alors. De vertu? Non, je pense pas. Non. Ah, maintenant ça doit être bon. Une tequila? Bah, volontiers. Hein. Une sacrée descente. Oh, ça savoure la tequila. Ah, il est savouré là. On dirait Manteca Falls là. Merci bien. Après, je vais proposer. Une petite tequila, messieurs. On va y offrir à ma petite dame. C'est comme s'il est là. Bah, bien sûr. Allez, allez. Oh. Moi je serais monsieur Dubois ici. Je peux vous faire ça. Fermé dans un de ses cercueils. C'est ça. Merci bien, ma petite dame. Oh oui. J'aimerais bien me battre contre les Daphné. Je vais mieux. Oh. Aïe. J'ai glissé. Moi j'aurais entendu. J'ai entendu au moins quelqu'un qui sait se battre pas comme monsieur Dubois. Qu'est-ce qu'il était dit? Oh putain. Oh putain. Qui c'est qui a dit ça? Tap. Y'a plus de recul. Attendez, bougez pas, monsieur. Monsieur Duke. Oui. Oui. Allez. Non, ça bougeait pas. Bougez pas. Tout ira bien. Ah oui. Oh là là. Qui c'est qui est pas voilà. Merci beaucoup. À la vôtre. Eh ben oui, bon, il m'en reste plus qu'une. Du coup, pas pour les autres, on va vous en chercher. Bah non, on est pour. Ah, regardez des femmes se crêper le chignon, c'est ah toujours bah, aussi bien. Ah là là. J'appelle ça de la castagne plus que du crêpage de chignon, j'avoue. Ouais, c'est vrai que ça se tape là. Hein. À la gueule du chignon, il en reste plus rien. Eh, je m'aime bien sur Miss. Eh ben, je trouve qu'il tient bien, moi, le son chignon, du coup. Quand même, c'est, hein. Bon, c'est étonnant. C'est étonnant, il y a un petit peu je des cheveux qui partent, mais. Ok. Ça change de Dixon. Oh incroyable. Mais c'est fou ça, elle apprend vite la petite Pearl. Un billet, donc un quoi. Un billet de 50 dollars, bien et bien. Ah, il fallait parler plus tôt, pour non, plus. Non, j'étais encore mais... moins de tomber quand même. Ah là là, se battent bien. Vous savez, je m'entraîne avec les Mexicains depuis 3 jours. Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Vous devriez en faire une profession. Si vous avez besoin d'un impresario. C'est professionnel au lieu d'être journaliste en fait. Ouais, je pense que vous avez de l'avenir. Miss Pearl. Vous connaissez la lutte? Ça pourrait être pas mal. Journaliste boxeuse. Pas mal.
Bah ce sera la lutte avec l'animation et la lutte avec les poings. Une lutteuse mexicaine. C'est beau. Du bois. Non. J'ai entendu que vous avez parié sur Miss Pearl, on se bat. Pour... Ah, j'ai gagné. Ah, j'ai perdu. Hein. Non, vous avez perdu. Ah bah non. Enfin, vous avez perdu contre elle. Ah oui, bah, si vous voulez, on se bat après, oui. Ah, pas de plaisir. Ah, je suis désolé d'avance, monsieur Duc, je vais vous l'abîmer. Hein. Oh, je sais pas. Tiens, ça c'est juste parce que ça me fait plaisir du bois. Ah merde. Ouais. Il s'en prend aujourd'hui, Daignon le petit. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Non, mais elle est folle! Oh, c'est magnifique! Furie, monsieur Forêt! Ça va, monsieur Forêt? Moi, je vais m'éloigner de la petite là! Vraiment, c'est trop dangereux comme région! Moi, je me rends compte, mais je pense vraiment, c'est la proximité avec madame Daphné, à chaque fois, ça me cause des douleurs. Ah, c'est dangereux, c'est dangereux! C'est pour faites attention à vous, monsieur Forêt. Ah là, monsieur Dubois, ah, elle ne s'arrête plus. Mais voilà. Oh merde, j'ai eu un peu. C'est vraiment trop facile, je crois. C'est une boxeuse en série. Tout va bien. J'avoue. Alors, ça fait mère. Ça y est, maintenant. Bah oui. Ah bah, il y a trop de monde. Ça fait un petit style en vrai. Bravo. Eh, bien joué, Perry. Ça compte pas, on fait un vrai combat. Oui, bah attendez que le médecin vous soigne. Oh, monsieur Pennyworth. Ah, vous êtes flamboyant comme ça, monsieur Pennyworth. Oh, j'ai l'impression de ressembler à la cheminée de mes bateaux quand même. Ah bah. Vous avez une bonne descente, madame Denise. Oh bah c'était que la fin. Je savoure quand même un petit peu là. J'étais juste un petit moment. D'ailleurs, vous avez. Ah bah je vous en ai même pas offert du coup. Ah bah moi je vais prendre du café, vous savez. Ah oui. Ah bah oui, après ce que j'ai pris. Justement, ça fait un petit peu passer la douleur. Le lendemain, on a plus mal, mais le moment, on a moins mal. Ah bon, on se tape tous dessus et le médecin disparaît. Oui, ils en ont marre de ces conneries, je pense. Ah, mais il y a peut-être une. Ils ont peut-être des vraies urgences avec des vrais blessés. Moi, je pense qu'il n'y a plus de tissu dans toute la région. Oui, c'est possible. Ça pourrait être ça aussi, comme industrie. Faire du tissu. Alors, on se bat pas, monsieur Pennyworth, c'est trop vieux. Ah, bah, ça fait un moment que j'ai raccroché, moi. Sans vouloir te battre, guerrière. Je viens de me battre, je suis pas très 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 en forme, j'ai gagné, mais bon. Autant lui avoir demandé de lui vouloir se battre, oui. Non, je disais qu'il se battait pas, mais pas forcément contre moi, je veux pas me battre contre un papy. Contre un papy, comme vous allez. Guerrier aussi, bah, toi t'as laissé parler comme ça, Nina Mao. Ouais, mais j'ai de l'arthrose à chaque articulation. Bon. Bah, en plus, ce serait pas très. Ah, c'est pas pratique ça. Pouvoir boire du lait bon de Jaya, être bon pour ton corps, oui. Alors... De qui? Le lait de Jaya. Mais c'est quoi comme animal ça? Oui, le Jaya. Moi pouvoir te. Une antilope, quoi. Montrer y être Jaya, oui. Toi pouvoir boire son lait, oui. Alors, je le lait de Jaya? Oui, lui faire du lait, oui. Je sais pas si c'est moi, non, mais ça sent une cochon. Ne buvez pas son lait, non, c'est lui Jaya. C'est une personne. Ne buvez pas son lait. Ah oui, d'accord. Ah, c'est une guerrière. Ah non, mais oui. Ouais, les masculins, voilà, oui. Voilà. Jaya l'abeille. Ah bah, sans façon. J'en t'ai proposé, mais. Le nom de Jaya qui vous offre gentiment son lait. C'est ça. Mais il faut pas le goûter. Non, goûtez pas le lait de Jaya. Goûtez pas. C'est qu'est-ce qui est bien, Néla? Hein? Qu'est-ce qui est bien, Néla? T'as compris. Qui c'est qui est bien là? Moi je suis bien, moi. Alors moi je suis très bien. Moi je suis pas mal bien. Moi ouais, bien. Pour faire un combat. Ah oui, non, moi je suis bien pour regarder, moi. Ouais. Ah, moi j'ai perdu tous mes sous, je me suis fait défoncer la tête. Il s'est fait bien. Un peu éclater. Oui, c'est ça. Ah bah allez, tu as perdu combien? Mais j'ai touché au moins 3 ou 4 fois des tétés. La technique. Non, il touche les gougouttes. Tu as perdu combien de pesetas? Suffisamment, 5 je pense. D'accord, ça te dirait d'en perdre de 10? Ah bah tu sais, j'en ai plus autant. Oh, c'est gentiment demandé ça. C'est gentil, madame, mais j'en ai plus autant. Les hommes se promènent torse nu, c'est très agréable. J'ai bien vu. Vous voyez pourquoi j'aime cette ville? je comprends beaucoup. Oug. Je ne pas vous faire vraiment pas discret. Et pour lequel? Bah si, c'est vrai.
Ouais, n'hésitez surtout pas à vous battre torse nu, il y a pas de problème. Quel guerrier avoir dit j'aille à la paix, oui. Yuma, attends. Ah, oula, il y a une machette, il y a une machette. C'est qui a avoir dit j'aille à la paix, puis devoir lever les bras. Et oui. Toi, lui. C'est pas c'est moi. Et nous. C'est toi. Ah, bah, fallait pas le faire apparemment. Bon courage à toi, hermano. Ah, bon courage, là, y a, là je suis pas de mon ressort. Oh non. Et dodo, ni n'a pas ouvert. T'as pas l'homme, yao. Je suis mon maï. Aïe, être moi. Oya, t'es à Pache. Iti à Pi, Zaya. Quand c'est papa, Shirikawa, ni n'a pas ouvert. Iti Maka, on va prospérer. Oh, ça, ouais. Avoir été piqué par Zaya l'abeille. Ah, c'est un monsieur qui nous a proposé de borduler. Quel poigne, toi. Être moi. Quel poigne. Mais ça, c'est pas insultant. Faut jamais manquer de respect à un Apache. Un Apache. Mais comment on peut savoir s'il nous dit boire le lait d'Ijaya? Comment on peut savoir c'est un Apache, enfin? Jamais manquer de respect à un Apache. Mais comment on peut savoir? De quoi? Comment on peut savoir? Il nous dit, vous voulez boire le lait d'Ijaya. En fait, jamais manquer de respect à un natif. Mais on ne peut pas savoir que c'est un natif, enfin. Il parle de ça comme d'un animal. Bah, il a parlé de ça comme d'un animal. Le grand chef, oui, c'est bien, mais c'est bien que c'est un morceau qui est légal. Il faut faire très, très, très attention aux natifs. Bah, encore une fois, on ne pouvait pas savoir. C'est son ami qui a été moins respectueux, hein. Non, non, mais moi, je veux bien. Voilà. Allez, viens. Attends, je viens. Moi, je veux la battre. Voilà, quelqu'un de bien, madame. Ah bon, allez, allez. Oui, bon, quelqu'un de bien, oui. Si c'est pour se faire étrangler, moi, je suis pas sûr de revenir ici, hein. Normalement, c'était mon tour, là, Gabriel. Bah, disons que. Voilà, si on leur dit rien, ils sont gentils. Non mais encore une fois, on ne peut pas savoir. C'est son ami qui parle de lui comme d'un cheval. Au bout d'un moment... Ah, vous avez plus de place. J'arrive plus à vous mettre des billets dans le slip. La coque, ça compte pas. Hein. Les quoi? C'est bon, allez-y. La coque, ça compte pas. Ah. Tu voulais prendre de la coque. Voilà. Ça va, monsieur Prosper? Merci à vous. Bah, pas de soucis. Bon, je vais rechercher les bandages après ce que vous... Ah bah écoutez, je vais pas traîner dans ce village-ci. Oui, oui, je vais partir avec vous, je crois. Ah, vous êtes passé de rouge à bleu très vite, en tout cas. C'était impressionnant. Oui. Doudou bijou. Doudou. J'ai encore envoyé. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi leur végétation. Hop là. Oula. On est parti. La sauce. Si vous voulez, je vous ramène, hein. Ah bah oui. Attendez, je vais repartir en tartiflette. Oui. Il serait capable de me la violenter. Oui, oui, il tue les chevaux ici. Et alors qu'est-ce qu'ils feront avec les hommes? Bah, ils sont pas prêts de me revoir, Armand, des trucs. Oui, un peu. Ça fait deux fois que la soirée se termine mal à cause... Mais... À cause des gens, ils sont soi-disant très accueillants, tu parles? Ah oui, c'était vachement accueillant. Ah ouais, c'est très accueillant. Son ami, c'était il parle de son ami comme d'une vache, mais c'est Prosper qui est respectueux, apparemment. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'ils sont... Comment dire? Ils sont intéressants comme leur façon de parler. C'est tout saccadé, il manque des mots. On s'ennuie en fait. En disant que j'ai surtout l'impression que eux s'ennuient et qu'ils cherchent tous les moyens pour prouver leur virilité, vous voyez. Mais personnellement, moi, ma virilité, j'ai pas à la prouver. Effectivement. Très bien. Merci, bonsoir. Et puis ça veut quand même dire qu'il y a un de ses amis qui a fait exprès de dire ça pour après aller. Aller voilà. Baver dans les oreilles du chef, oui il a dit ça. Exactement. Je veux dire, même quand j'étais petite, je faisais pas ça.
Ça me rappelle les pires heures de l'histoire, madame. Oui, je suis d'accord. Ça n'hésite pas à dénoncer, si c'est pas d'autres mots. Exactement. Vous retournez à la gare, là, en fait. J'en ai aucune idée. Ah oui, je suis contrariée. Oui, d'accord, ok. Alors. Là, par là, on va faire Tumbleweed, donc c'est vraiment complètement à l'opposé. Hein, ça va, Blackwater. Ça vous va? Ouais, oui, la civilisation. On avait moins de problèmes là-bas. Pardon, monsieur, on fait demi-tour, excusez-nous. Oui, je suis. Bon. Donc on est pas du coin. Hein. Ouais, mais le désert, bah, partout où on tourne, ça se ressemble, alors c'est pas facile. Ah oui, j'étais vraiment prêt. Oui, d'accord. Ah bah, dire que je prenais la défense des petits natifs la dernière fois avec la gueule, bah. On est bien récompensé. Oui, je suis d'accord. Non, et puis, il était vexé encore, pourquoi pas, mais qu'il demande même pas une seule information. Ben oui, c'est un petit peu facile. Quand les gens ils connaissent pas, on leur explique. Bah, apparemment pas. C'est n'importe quoi cette histoire. Je trouve qu'on étrangle un petit peu facilement dans cette région. Mais c'est ça, ça manque un peu de shérif. Oui, ça, oui. Ah, par contre, si vous aviez été médecin, ça je suis sûr qu'il vous aurait pas touché, hein. Mais je pense aussi, oui. Prochaine fois, on dira ça. Oui, voilà. C'est parce que je suis profondément non violent, moi je reviendrai avec une carabine. Je vais pas la traverser, je passe comme ça. Oui, passez par derrière. Oh, oui. Je vais vous montrer un truc, vous le dites à personne. D'accord. Allez-y, continuez. Ah oui, tout droit là. Oui, prenez le chemin. Le petit à gauche? Non, celui-ci, ouais, continuez. Et plus loin, il y aura un petit chemin sur la droite pour aller vers une ancienne église. Oh! C'est là que j'ai trouvé mon origan spécial exotique. Ah oui! Oui, d'accord, il y a des herbes aromatiques. Oui. Moi, je sais pas encore trop bien quoi en faire, hein, parce que voilà. Mais je peux vous le montrer déjà où c'est. Ah, c'est intéressant. Il y a des tournées peut-être ici. Ah, maintenant? Oui, à droite, coupé. C'est quelque part, je sais pas où, mais je vois rien. En plus, il fait pas très clair. Là, en face. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, je la vois. J'espère qu'il y a pas de serpent. Ouais, ça va, je pense pas. Ah, j'en ai entendu sur la route tout à l'heure. L'avantage c'est qu'ici les serpents ils crient très fort. T'as laissé le cheval là? Ah oui, attention, ça pique. Ah bah il fonce dedans. Ah oui, ça pique un peu le bras. Bijou, je t'en supplie, avance. Voilà. Je vais juste le mettre ici. Comme ça on n'est pas trop proche. Regardez, je vais vous montrer. Alors vous en parlez pas parce qu'à chaque fois que j'évoque le sujet de ces condiments, tout le monde ils sont un petit peu genre oulala, ils parlent tout doucement, ils sont bizarres. Oulala. Ah oui. Oui. Bah c'est. Ah c'est. Ça c'est les épices, hein, vous savez, ça a des drôles d'effets sur les gens. Oui. Ah il y a des gens, ils digèrent pas, oui. Oui. Puis il y a des gens, ils peuvent pas manger épicé. Alors que les deux, c'est pas si compliqué. En même temps, vous voulez dire, regardez. Enfin, je sais pas, c'était là, j'allais être. Oui, c'est ici. Alors, je regarde un petit peu. Oui, allez-y, bah, prenez-en une poignée. Hein. Prends une petite poignée. Si jamais vous cuisinez cette semaine, on sait jamais. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, c'est de l'origan. Ça sent l'origan en plus. Du fenouil, je sais pas, enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Oui, oui. Bon, on n'est pas sur du basilic non plus, hein, ça. Non, j'ai pas reconnu non plus. Non, l'odeur, c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un pesto avec ou quelque chose. Ah oui, oui, c'est possible, ou un gâteau. Ouais, un gâteau, ça pourrait être pas mal. Un gâteau un peu spécial, vous voyez. Bah moi, comme c'était là et que personne n'avait l'air de rien en faire, j'en ai pris 100. Ça a pris combien de temps? Ça a pris un petit moment. Mais bon, je pense que je vais m'en prendre une toute petite poignée, personnellement. Oui. Enfin bon, vous savez où c'est, quoi. Apparemment, il y en a toujours, donc c'est que les gens le font pas grand-chose avec. Bah oui, disons, ou alors c'est peut-être que des gens les stockent ici, parce que c'est loin, et puis qu'ils ont pas à payer en gare, bah, mais oui. Bon, bah forcément. C'est sûrement ça.
Il y a tout venant qui peut se servir. Hein. Alors de temps en temps, je fais le tour des cimetières. Parce que vous savez, moi je suis quelqu'un, j'étais habitué un petit peu à être un peu pieux. Ah oui. Alors j'ai acheté une petite pelle. Et un pieu. J'enlève un petit peu le cruau, les mauvaises herbes, tout ah ça. Ah bah oui, comme vous faisiez à Valentine. Oui. Eh ben, du coup, on trouve parfois des trucs. Ah. Oui. À Blackwater, je le fais souvent. Ah aussi. Oui. C'est vrai qu'à Blackwater, c'est très joli. Quand en haut de la colline, comme ça, ça donne envie. C'est vrai. Ça donne envie d'être mort. Ça donne envie de... Attends, je termine mon café. Hop là. Oui, oui. J'ai bien... C'est bien que j'en ai pas, moi. J'ai tout craché. Allez, c'est parti. C'est parti. Vous pouvez aller à droite. Je vais prendre le chemin pour éviter. Ah, vous prenez le chemin, bah oui. Sinon, je pense que les cactus, on va s'en prendre quelques-uns, mais bon. J'ai des bottes, mais ça va finir par passer à travers. Et puis vous êtes pieds nus, alors. Oui, c'est ça. Quand même, ça m'étonne, ça m'étonne que les natifs, ils m'ont pas pris en amitié avec cette histoire de pieds nus. Oh bah oui. Eux non plus, ils ont pas beaucoup de chaussures. Ouais, c'est vrai. Non, mais il aurait pu avoir des points communs s'il y avait eu un peu de dialogue, quoi. Oui, c'est ça. Puis là, le dialogue, c'était pas grand-chose, quoi. Ah bah c'était... oui, c'était même de l'accusation. C'est-à-dire que vous auriez dit, c'est pas moi, j'ai l'impression que ça aurait été la même. Oui, c'est ça, oui. Bon. Puis du coup, là, j'ai bien compris la leçon que... c'était des connards. Ah, c'est... Oui. Oui, je pense que c'est un terme qui est plutôt adéquat. C'est ça. Je vais pas le répéter, mais quand même, un petit peu... Ça ah bah non, non, bah non. Si le mot abeille dévexe, imaginez ce terme-là. Il va faire une syncope, le pauvre. Bah oui. C'est finalement ça, là, mon propre fringille. Hein. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. J'ai connu des adolescentes avec un petit peu plus de poigne. Oui, c'est vrai aussi. Un petit peu plus de... Il se fait que c'est un peu moins vite, quoi. Au final, en fait, nos bandits civilisés sont pas si mal. Bah... Disons que je m'entendais mieux avec les Mexicains qu'avec les natifs. Oui, apparemment. Alors que pourtant, les Mexicains, on en parle beaucoup. Bah, j'ai l'impression que... Bah, ça va, oui. Il y a le dialogue qui se fait beaucoup plus facilement, hein. Bah, je vous ai dit, moi, j'ai rencontré Mademoiselle Rosa, là, Gorditos. Oui, bah, je la connais pas. Elle moi j'avais. Amicalement cassé la tête, mais c'était cordial. Oui, c'est vrai. J'avais des choses portées. Ah, moi c'était la petite Irma des locaux, là. Elle nous avait accueillis dans le salon, etc. Elle était très très sympathique. Et puis bah, le groupe aussi nous avait offert des tequilas. Et puis il y avait du dialogue en fait. Ils ont pas. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'ils sont intéressés quand on vient en touriste, on consomme et tout ça. C'est bien pour le commerce. Vas-y, ça. Jean-Monsieur. Il a arrêté. Ah, mais il a disparu, lui. Bah, oui. Il fait nuit aussi, on voit pas bien. Bah, c'est l'heure des fantômes, il est peut-être minuit. Bah, j'espère qu'on en est pas. Parce que vous, avec ce qui vous est arrivé. Ah, bah, vous êtes pas loin, hein. Vous êtes entre deux mondes, là. De toute façon, on m'a au moins tué trois fois aujourd'hui, alors vous voyez. Oui, c'était une journée particulière, quand même. Il s'est passé des choses. C'est spécial. Allez me coucher, je crois, moi. Ouais, pareil. Trop d'émotions en même temps. Oui. En plus, il va avoir la tempête, alors bon. Oh oui. Assez de vent comme ça. Ce sera le temps de partir se bouger. C'est ça, exactement. C'est l'heure mais des bon. Braves. Après, j'ai envie de dire aussi, les natifs d'Annesburg ont l'air d'être beaucoup moins chafouins que ceux-là. Hein. Oui, aussi. Pas d'Annesburg, pardon, de Strawberry. De Strawberry, oui. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns, ils ont l'air plus gentils. Oui. Moi, j'ai l'impression que ceux-là, ils se prend un peu tout permis, parce qu'il n'y a pas de shérif, en fait. Oui, c'est ça. Puis bon, ce fois-ci, ils étaient chez eux. Enfin, chez eux, je sais pas trop... Bah, techniquement, comment ça c'est un peu partout chez eux, mais bon... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est normal. Quoi. Faut être gentil avec ses habités, quoi. Bah oui. On en aura fait des kilomètres. Ah, il a des... Le compteur de pas de mon cheval, il a explosé, je pense.
Moi, je pense que je vais faire de l'or dans les prochains jours parce que... Oui, je pense aussi. avec tout ce que j'ai dépensé, le train, me faire péter la tête par une chirotracteuse... Oui, c'est vrai. Tout ça, ça coûte. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai payé 2 fois le médecin. Oh, mon Dieu. Ah, 2 fois ? Ah bah oui, du coup. 3, ah bah oui, bah oui. 11. 11, j'ai dépensé $16 comme ça. Aujourd'hui ? Mais oui. C'était combien le médecin ? Mais 3 à chaque fois parce 3 que... dès qu'il me tue, c'est 3. Les tarifs de nuit, ça ? Eh oui, c'est ça. C'est le tarif week-end. Ouais, il aurait fallu vous faire étrangler par Monsieur Duke, il aurait payé les frais. Bah oui. Ah, Monsieur Duke, il est éduqué au moins. Oui. Il vous étrangle, mais il vous rembourse. C'est ça, il vous colle un pain. Il vous paye les frais après. C'est finalement, c'est presque tout ce qu'on demande. Hein. C'est la civilisation, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est ok, se péter la gueule, mais après... on n'est pas des sauvages. Après, on n'est pas des bêtes. Voilà. Ah, je peux peut-être vous montrer encore un autre truc rigolo. Attendez. Ah oui. Allez vers le cimetière. Alors, où je remonte? Oui, par là. Je sais pas si on aura le temps avant la tempête. Ouais, je suis sincère. Oh, il reste quelques minutes, là. Oula. Si je passe par là... Oui, je peux. Ça va. On va sauter. Ah, ça... Allez, saute. Hop là. Ah bah là, c'est arrêté. Ah ouais, bah elle a dit un saut. C'est un saut par soirée, ok. Oula. Alors... L'amortier a été compliqué. Alors. Alors, venez, on va se garer là, voilà. Hop. Ah bah pourquoi je fais demi-tour moi? Ok. Besoin de vous dégourdir les jambes, c'est normal après le cheval. Oui, c'est ça. Après chaque décès, je passe par un cimetière. Ça fait combien de cimetières que vous faites? Ah ouais, je commence à en connaître 2-3. Ah oui. Alors. Mais les petites bougies, ça se voit de loin et c'est quand même... C'est bien joli. Mais c'est une ambiance. Par exemple là, souvent il y a du cruau là-bas. Attendez. Ah oui. Il y a des choses à trouver ici. Oui. Par exemple ici, si comme vous avez une pelle, vous pouvez débroussailler un petit peu. Ah oui, d'accord, voilà. Oui. Vous débroussaillez un petit peu les tombes, oui. Les pieds avec, oui, etc. J'enlève un peu le cruau, tout ça, puis parfois on a de la chance, on trouve... parfois un collier que quelqu'un aurait laissé tomber. Ah oui? Oui, c'est ça. Parfois les gens ils sont très tristes, ils laissent tomber des colliers ou des bagues. Ah oui, bah oui, ça c'est commun quand on est triste. Alors, ça tombe tout seul même. Bah oui, voilà, un collier de perles. Et vous en faites quoi? Ah bah je peux les revendre, mais alors il faut aller à Armadillo. Ah, bah ça tombe bien. Il faut aller voir le... Comment il s'appelle? Celui qui enterre les gens. Ah, le fossoyeur. Ouais, vous rentrez à l'intérieur et puis vous les rachète. C'est pas grand chose, mais bon. C'est que celui d'Armadillo? Ou il y en a d'autres? Je suppose qu'il y en a d'autres, mais je les connais pas. Et autrement, allez à la statue et regardez par terre. Il y a un truc à ramasser. Oh! C'est drôlement joli. Très poétique. Bon, moi, j'ai pas grand chose à ramasser. Attendez, y'a que moi qui vois ou quoi? Bah quelqu'un a déjà dû le ramasser, je pense. Moi je vois rien. Oh bah oui, il y avait un petit message. Ah. Y avait un petit mot dans un rond rouge. Ah bah c'est peut-être quelqu'un qui l'a déjà lu et qui l'a déjà pris. Oh bah zut. Bon, c'est pas bien grave. C'était une petite histoire triste. Oh. Oui. Bon, je pense que... Restons sur une note plus positive pour ce soir. Oui. Attendez, hop, restez là. Je ne bouge pas. Là. Hop là. Ah, vous avez de la place? Ah, vous êtes pas assez près. Je me colle à vous. Hop là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un collier, ça vous dira mieux que moi de toute façon. Oh, bah merci beaucoup. C'est très gentil comme cadeau. Bah oui. C'est beau.
Oui, c'est joli. Oui, bon, ça me fait très plaisir, petit Prosper. Merci beaucoup. Ah, bah de rien, dame Denise. Bon, allez. Je pense qu'on aura le temps de rentrer aux Alounes. Oh, bah oui. Moi, je vais trouver. Je pense que je vais encore dormir à l'étable. Ah oui? Oui. Ah, c'est pas trop froid? Ah non, il fait chaud, il y a de la paille. Ah oui, c'est vrai. C'est pas bête. Bon, je vais l'appeler. J'espère que ça va pas surgir de n'importe où. Bon, je pense qu'elle surgit de n'importe où. Elle est partie au salut. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, on ira à pied, tant pis. Oui, hein. Si on n'est pas rentré dans 3 minutes, on aura du vent et puis c'est tout. C'est ça. Oh, pas la première fois. Attention par contre. Bah, oui, une calèche. Ouais, je m'en méfie maintenant. Autant celle-là, ça va, elle a des chevaux. Ouais, je me mets bien derrière. Non, ça va pas le faire. Non, j'ai l'impression que vous pouvez pas vous accrocher. Ouais, puis je pense qu'ils vont s'énerver encore. Oui, oh bah oui. Bon, ça peut se comprendre. Oui, mais enfin, ça va. Ils ont des calèches, c'est hyper cher en plus. Oui, mais c'est pour ça. Ils ont peur qu'on les vandalise. Ah, j'aurais bien aimé, moi, avoir une calèche. Ah oui, ça doit être pratique, ça. Surtout quand on fait des balades en groupe. Bah oui, c'est plus sympa. Je trouve ça sympa, où il y a des petits bancs derrière. Exactement. On se convivie ensemble, là, c'est très cool. Tu sais, vous convivialisez avec un groupe de personnes, c'est beaucoup plus sympathique. Oui. Alors que bon, à cheval, on peut se convivier à deux. C'est... Ça reste sympathique. Aussi. Oui, mais bon, plus on est conviviaux, oui. Eh ben, plus on convivialise. C'est ça. Après, bon, le problème, c'est que celui qui tient les rênes, il a la responsabilité de la vie de tout le monde, quoi. Oui, c'est ça aussi. Donc, parfois, bah, savez, c'est moi, un pari. Je suis un grand spécialiste de... Je dessine un V sur mon cheval et puis je le laisse aller. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Comme ça, mais c'est lui responsable si on meurt tous. Après, je sais pas si en calèche c'est pas un petit peu risqué si on croise des chevaux en face. Parce que bon, les chevaux ils connaissent la route, mais ils évitent pas bien les autres, j'ai l'impression parfois. Faut s'en remettre au destin, Madame Denise. Oui, oui, bon, si on pouvait. C'est votre heure, c'est votre heure, c'est comme ça. Ah, j'ai envie de dire que tant qu'on peut survivre, c'est bien de tout essayer pour. Il faut vivre dangereusement. Oui, tant bah. Il faut faire ça. Apparemment, il suffit de dire le mot abeille pour vivre dangereusement de nos jours. Ah oui, c'est ça, quoi. Ah bah là, vous savez quoi? Eh. Y a l'abeille. Là, voilà. Voilà. Je le refais. Alors, c'est quoi le problème? Ayana Kamura l'abeille. Ok. Je suis sûr qu'elle existe, cette espèce, en plus. Mais oui. Eh ben, vous savez quoi? Je vais me trouver un petit coin ici. Oui, c'est plutôt confortable ici. Ouais, puis je pense qu'ils vont pas trop me voir. Je vais me faire tout petit. Moi, c'est une bonne idée. Moi aussi. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. C'était malgré tout sympathique de vous voir depuis tout ce temps. Bien sympa. Et puis maintenant, on a nos télégrammes. Oh bah oui, maintenant on pourrait essayer. Voilà. Hop. Fin. Je vais pas relancer, hein. Fin de la VOD, des bisous.